Salut YouTube. J'allais oublier YouTube, vous rendez compte? Vous rendez compte, chat? J'allais oublier YouTube. Enfin bref, on va tester Conqueror's Blade, qui est un free-to-play développé par un studio chinois, mais qui a un concept intéressant, où vous incarnez une sorte de seigneur de guerre. Vous vous battez un peu façon Dynasty Warriors, vous avez des bataillons que vous pouvez contrôler, vous pouvez faire des attaques de villes, il y a une map, il y a des villes à prendre, il y a des guildes, c'est full MMO. Donc j'aime bien le concept, à voir maintenant si c'est bien. Donc let's go, testons ça. Apparemment il y a des problèmes de serveur. J'espère que je pourrai quand même un peu jouer. Hop, je coupe la musique et voilà. Écoutez, on est parti. Taz pour les 5 mois. Bonjour à Propal Podcast. Merci pour ces lives Kali et continue de nous faire kiffer. Merci à toi. Merci à toi, l'ami. Ok, je suis dans le jeu. Est-ce que ça marche déjà? La musique marche. Ouais, Europe Ouest. How does your legend begin? When you were a child, your family gave shelter to a knight who was lost. The next morning, he asked that you walk him through the woods to safety. On the way, he asked you about your family. You answered. We live off the land. These woods give us everything. Plus agility. We all work on my lord's farm beyond these woods. Plus strength. Father is a blacksmith, and I am to be his apprentice. Armor. Le son est fort, hein. On est d'accord, le son du jeu est très fort. Je vais baisser après. We live off the land. Les bois nous donnent tout. Je suis un elfe sylvain. The knight seemed impressed at your words and asked how you deal with the living in these dangerous woods. You answered. La vie est dure. Mais on est encore plus dur. On utilise les peaux de bêtes pour faire des armures. Il faut qu'on soit bon avec le couteau et l'arc. Hein? La vie est dure, mais on est encore plus dur. Où on fait des armures. Faut être bon avec le couteau et l'arc. You reached the edge of the woods, and the knight handed you a coin by way of thanks. The last you saw of him was his blue tabard with silver star insignia fading into the mist. You. Tu as décidé qu'un jour tu serais un chevalier. Ça, c'est la réponse de Troba. Tu as dépensé chaque moment libre pour apprendre à te battre. Tu as fait un serment que tu serais un jour un noble aussi. Juste et sage. Alors, devenir un noble, c'est ce genre. C'est, en général, c'est de famille. Mais bon. Alors, d'être en mode un jour, je serai un chevalier. Moi, je serais plutôt du style il m'a motivé, je vais m'entraîner. Donc, réponse B. Jean-Pierre, réponse B. Years later. Ok. Très bien, excusez-moi, apparemment je suis trop lent pour le jeu. Male or female, faire un bonhomme. Tu vois comment sont les mains. J'arrête. Le son du jeu est très fort. Sacré jouvencelle, bon on va prendre un bonhomme. Face preset. Ah ouais. Je suis Chao Yun et je suis prêt à me battre. Putain, on peut faire Chao Yun dans le jeu, quoi. On peut faire Guan Yu aussi, éventuellement. On peut faire Jin Zhao. Bon, on fait quoi comme preset? R. Y'a quoi comme cheveux? Oh, Mitsurugi. On peut faire Mitsurugi de Soul Calibur. Faire un viking. On peut faire un punk à chien. On peut ne pas avoir de charisme du tout. C'est bien, il donne le choix. Ok.
Ouais, on peut faire ça Itama, j'avoue. Celle-là est bien, mais... Vous êtes sérieux, là? C'est tout ce que vous avez comme couleur de cheveux, là? C'est décevant. Ouais. Bon, je vais faire un perso qui a un peu mes cheveux, mais bon... Au niveau des presets de visage, il n'y a pas trop de détails. Ah, on peut changer les eyebrows. Ouais. Lips. Ouais, bon. Osef un peu, hein, en fait. Ah, on peut changer la barre, la beubare. Yes. Avec une petite stache mou, là. Petite stache mou naissante. Non, on va laisser comme ça, je pense. Fashion, hair color. Noir, black. Skin tone. Oula. Putain, c'est chiant qu'on puisse pas faire les cheveux plus blancs que ça, quoi. On s'en fout de cette partie. Ah, je sais, c'est terrible. Tattoos. Ah ouais, d'accord. Putain. Yes, ça c'est discret, ça. Pour trouver un job à l'hôtel, après, c'est bien, ça. Putain, mais laisse tomber, quoi. Les tatouages, ils sont tellement énervés. Non, bah, rien du tout, ça ira. Une petite... Allez, une petite cicatrice. Ah, ok. Donc là, on choisit la classe. Donc, il y a plusieurs classes pour votre perso à la Dynasty Warrior. Vous avez le Long Sword and Shield. Le casque est stylé, pour le coup. Long Sword and Shield. Vous avez Pole Axe. Waouh. Pole Axe, putain, on dirait l'armure. C'est trauma, quoi. Donc, gros bourrin avec une grande hallebarde. Vous avez la Spear. Donc, vous pouvez être un relou avec une lance. Vous avez le Nodachi avec un Nodachi tout simplement, un Daikatana. Vous avez le Short Sword and Shield en mode loubou un peu, sauf qu'il n'y a pas de halberd. Vous avez le Glaive. Ah, Glaive c'est plus ça, façon chinois, façon troupe d'élite chinoise. Vous avez Bow, Bowman. Est-ce que tu veux que Colette te rejoigne? Il me demande. Non mais oui, mais là je crée mon perso. En fait là faut que je baisse le son du jeu et tout. Et là j'appellerai Cola. Mais oui on va jouer avec Cola. Bon bah écoutez chat, vous savez ce que je vais prendre, hein. Vous le savez déjà. Vous le savez déjà, je vais vous laisser voter. Juste histoire d'être sûr. Histoire d'être sûr de savoir ce que vous allez voter. Si vous me connaissez bien ou pas. Il faudrait que le blob se forme par contre. Ah, donc mousquet, archer, infanterie glaive, épée courte et bouclier, nodachi, donc samouraï, spear, halbarde ou épée longue et bouclier. Ah, c'est très confus là. Ah, je vois beaucoup de bow et glaive. Je vois rien là-dessus. Ah, en fait, attendez, j'ai une idée. Je suis un génie, vous allez voir. Je suis un génie du stream. Hop. Voilà. On va reset ça. Voilà, là, vous pouvez voter proprement. Là. Vous pouvez cliquer sur les bons trucs proprement. Ah bah voilà, là les icônes sont assez grandes. Donc vous êtes à 9% mousquet, vous êtes à 31% glaive et bow, pas encore clair. 4% short sword and shield. Nodachi, 40%. C'est bon, c'est confirmé, le chat me connaît bien. On va faire le gros weeb, on va prendre un Nodachi. Hop. Bah, je suis obligé, hein. Je suis obligé, chat, je suis désolé, je suis obligé. Je veux dire, je suis un weeb complet, hein. J'ai fait quelques années de kendo. Je suis un whip complet, hein. Je suis obligé de prendre le Nodachi. Nodachi is a two-handed sword with a blade 4 to 7 feet long. It's made by Master Fortune. They are prized weapons that honor their bearers. Ok, créé. This is a war upon... Ok, mais j'ai pas le temps de lire. C'est bien le skin des gros chevaliers là.
La guerre. La guerre ne change jamais. C'est trop mal en face. Ok. Putain, ça charge trop vite, j'ai pas le temps de lire les trucs. C'est fou la voix off, on dirait moi. Vous avez vu ? C'est dingue. Hein. Insane. Pour l'Alliance, exactement. Tu t'es pas trompé. Bon, pour l'instant, tout cela me semble très générique. Mais on verra ce que ça donne. Très bien, donc me voici avec mon perso qui a une belle tête de PNJ. Niveau de la caméra, ça va. Le stream, ça marche bien. Ok. Ok. Je vais aller sur TS. Et je vais rejoindre Kola. Ah, je vais d'abord baisser le son du jeu parce que j'en peux plus. Sound. Voilà. On peut pas changer le speech language. Alors, petit détail marrant, c'est que j'ai rencontré un des devs qui bossait sur les serveurs, qui était français, à la TwitchCon. Et c'est lui qui m'a parlé du jeu à la base et ce qu'il m'a décrit, ça m'a bien intéressé. Du coup, c'est pour ça que j'y joue. Et bonjour. La musique, hein. Oui. La musique est forte. Hein. Elle est si forte. Quoi? Je suis sourd. Allô? Aïe, aïe, aïe. Elle est trop bien, la musique. Elle est beaucoup trop bien. Elle est forte, surtout. Elle est trop bien, mais elle est forte. T'as pris quoi, agilité, force ou armure, tu vois? Mais tu vas copier en fait. Non, justement. Je te dis pas, j'ai copié, va copier. Non, j'ai pris agilité, force. Et j'ai pris un Odachi. En classe. Odachi. J'ai pris un perso de Weeb. Je pense qu'on va être 10 millions de Weeb dans mon style. Je vais faire full force. Ah ouais. Strongman, big arm. Je m'appelle Grux. Je suis un bœuf. Je t'attends. Sont si belles les femmes. Tu peux faire une femme si tu veux. Ouais, c'est ce que je fais. Waouh. Ah, il y a un tuto un solo de 40 minutes. Non. Ah, d'accord. Bah écoute, j'y vais. Hein. Je suis parti alors. Ah, on peut sprinter. Graphiquement, il est pas dégueu. Ça va. C'est pas méga fluide, mais c'est pas dégueu, donc c'est bien. Commander Alder. Valen was one of us before he went over the rebels. Continue. J'aime bien parce que même le jeu il est en mode on s'en bat les couilles du texte. Clique sur accept. Allez, go. Report to Captain Henry. He will supervise your instruction. He goes back to overseeing the activities in the camp. Accept! Quoi? P? Je vais l'appeler. Caractère. Ah! You can view your located. J'ai pas eu le temps de lire, très bien. C'est en early access, on est d'accord, chat? Hein, parce que ça me paraît être de l'early access que je vois depuis tout à l'heure. J'ai un point. Je peux mettre de l'agility. Alors, on a plusieurs stats. Donc, il y a vraiment tout un système RPG. Vous pouvez up votre perso et tout. On est niveau 1. On est niveau 1. C'est bien. Donc, du coup, armor, toughness, agility, strength. C'est marrant, il y a deux stats pour la tankiness ou quoi? Toughness. Ah, c'est le nombre de PV. Okay. Et ça, c'est le nombre d'armures. Protection contre piercing, slashing and blunt armor penetration. Ok. Agility. Ah, ça augmente les dégâts pour le piercing damage, slashing armor, penetration and blunt armor. Ok. Et strength, ça augmente piercing armor, slashing damage. Ok. C'est deux types de dégâts différents, j'ai l'impression. Piercing damage. Et là, il y a piercing armor. Ah, donc c'est pour faire du perce armure Ah ok, d'accord, donc force ça augmente le piercing armor et agility ça augmente le slashing armor. Donc les deux augmentent les dégâts, ah donc ça te spé tes dégâts différemment en fait. Mais les deux sont intéressants. Moi j'ai besoin d'HP, je pense qu'il faut que j'augmente mes HP peut-être. Vas-y, j'augmente mes HP. Oula, stamina. Oh putain, il y a tellement de stats quoi mec. Applique points, ça ira. Ok. Il y a vraiment 45 minutes le tuto? Je sais pas. Pour de vrai? Je sais pas. Je découvre aussi. Je refuse.
tape. Je te refuse, je m'en vais. Salut. Capitaine Henri. Ah, il a... C'est là qu'il a fini. C'est là qu'il a fini, Henri. Weapon training. Ready to begin. Yes, sir. Pour de vrai, oui, il est long le tuto. Chien. C'est pas grave, on va speedrun, on va speedrun. Speedrun on. Merci Umris, Urmis pour le Prime, bienvenue à toi. Voilà. What the fuck. Merci à toi, merci Chris, ta graine dans mes grosses. What the fuck. 200 bits. Pourquoi mon peuple n'est jamais représenté dans les jeux Longue vie aux gnomes des forêts. Les gnomes sont interdits sur ce stream. Mon peuple. Ah merde, je suis pas mute. Ah mais non. Mort de rire. Mm-hmm. What the fuck. C'est pas grave. What. C'est quoi ce bordel. On t'aime Alpha. On t'aime tous. Attends mais... J'ai un nouveau raccourci là sur mon clavier. Qu'est-ce que c'est ce bordel. Merci Twist of, Twist of Hat. Merci Ertaz, Damarus. Merci à vous pour le soutien. Yes. What the fuck. Il y a un nouveau raccourci du coup. Bref. Welcome to the... Ok, let's go. Rush. Attack. Unlock. Attends. Ah. Hey. Quoi comme classe du coup. Hey. No dodge. Hoi. Si. C'est pas le sabre. Hagugiga. Ouais, c'est le sabre. C'est le samouraï, ouais. Ah merde, j'ai pris ça. T'as pris samouraï aussi. Ah non. Mais putain. C'est full weeb. On est tous les deux weeb. Voilà. Press Q to use a skill. Ah yes. Sympa le feeling. Le feeling dans les attaques est cool. Ok. Il faut que je parle à Rupert. C'est vous qui jouez Ron dans Harry Potter, c'est ça. J'ai compris. Je crois que c'est ça son nom, non. Voilà. Comment on se bat. Weapon training. Captain Henry. Henry. Pardon. Laser mais s'arrêter. Ah, c'est un peu clunky par rapport à For Honor. Merci de m'avoir formé, Rupert, mais je vais gagner. Chier. Rupert, il est mort. Ok. H. Ah, c'est pour ce heal. Quand vous êtes blessé, mesdames et messieurs, faites ça. Vous verrez, vous soignez vos membres repousseront, etc. C'est très important. F. Choose a weapon. Putain, c'est marrant ce que tu dis. En fait, tout à l'heure j'étais en scooter. Je suis parti chercher à manger. Je me permets de te raconter une anecdote tout à fait personnelle. Et on est entre nous de toute façon. Mm-hmm. Et là, il y a un mec qui me coupe et il a fait me faire tomber, tu vois. Il pleuvait de ouf. Et j'ai fait un énorme slide parce que ma première réaction c'était de freiner. Et du coup, mon pneu arrière il est parti, il a glissé et tout. Et j'étais T'es en train de me dire que t'as failli mourir là. Ouais, et j'étais bras écartés en train de le regarder en mode mais putain. Et lui il était trop vénère, il criait de loin comme ça, mais il restait de loin parce qu'il a vu que j'étais vénère. Et du coup il part au loin. Et après en fait j'avais plein de bouffe sur moi et je me suis dit, ce que je peux faire c'est que si je tombe, j'ai qu'à manger de la nourriture et mes PV ils vont remonter. Yes. Et là je me suis dit putain c'est vraiment je deviens fou. De con. je deviens vraiment fou. J'ai vraiment pensé comme ça, je me suis dit c'est bon j'ai plein de nourriture, je pourrais reprendre des PV. Putain. Il faudra que j'attende deux bonnes semaines. C'est pas grave. Ok, bon, on va skip du coup. C'est quoi, skip tutoriel. J'aurais peut-être pas dû skip. Quête complète, vous avez skip le tutoriel. Yes. Il y a écrit quête complète. T'as vraiment skip le tuto. Bah je sais pas, je crois qu'il y avait pas besoin. Ah oui, j'avais un skill avec Q, je l'ai pas utilisé, merde. Ah, trop bien. Et c'est cool, hein, le guib, là. T'en es où, là. Je suis en train de... tuer Rupert. Ah ouais, putain tu m'as rattrapé de ouf. Il faut speedrun. J'ai plusieurs missions de tuto, ouais je me doute bien. Commander Adler. Baden with one of us. Ah oui mais on s'en fout. Quest. Completed training. The path to mastery. Master Lucas. Find Lucas, the master at arms. To unlock a new weapon skill. Weapon skills are usually more lethal than your normal attacks. Understood. I understand. Donc en fait tu peux... Ah oui tu peux utiliser ta souris pendant que tu te déplaces en fait. Attendez je vais où. Il est où l'autre là. Ah il est là. Lucas. Il est où Natsu.
Alors, unlock skills. Ah, donc j'ai des trucs à unlock. Mais il a l'air trop bien ce jeu. Bah, en fait, genre, tout le concept m'a l'air cool. Mais j'ai peur que les erreurs habituelles de ce genre de titre nous venant de l'Est se répètent dans le style Mega Farm, Full Bot. Enfin, genre, tu sais, j'ai peur de ça. Donc bon, on verra. Samurai March. Step forward and attack the enemy with a downward strike. Forward! Forward! Ah, mais c'est un. Men! Il tège un men comme un bourrin là? C'est bien ça? Ouais, je veux bien ça. Ça me va. Je le mets sur mon E. Ouais, on a plein de spells du coup. Ok. Alright. Eh, c'est Ichimonji. C'est ça, c'est Ichimonji de Sekiro. Sekiro d'ailleurs, j'ai tellement hâte de voir Cola le finir. Sekiro. Eh, je vais y retourner. Hein, un jour. Trop de jeux, il y a trop de jeux. Un jour, j'y retournerai. J'ai joué à tout. You have drifted off in your own thoughts. Okay. Report to Captain Tyler after your unit training. Nani sore. Unit to training? Nanda sore. Ok. Kochi. Ok. Just say the word and I can send you to distant land to fight for fame and fortune. Unit control training. Ah! Alors du coup, on va passer en mode Total War après. Genre, on contrôle nos units en mode stratégie. Ah, c'est pour ça qu'on peut enlever la. Qu'on peut appuyer sur Alt. Y'a des chances. Pour avoir la souris. Y'a des chances. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est le côté tu gères ton bataillon avec toi. Ça a l'air vraiment nice. Talk to the supply point quartermaster. Choose a unit to command. Choose unit. Ok. Est-ce qu'on prend des swordmen, spearmen, pikemen? Ça a l'air nul, pikemen quand même. Ou bowmen. Et bowmen, ça peut être pas mal hein, d'avoir des archers. Après, ce qui est vraiment important dans une armée, c'est d'avoir la fronte qui est tenue. Donc des spearmen, c'est bien. En plus, ça te protège des cavaliers. Je préfère carrément, je pense, avoir des spearmen que des swordmen, mais je sais pas dans ce jeu comment ça marche. Mais les bowmen, je pense que si je veux faire un assaut sur une garnison, ça peut peut-être être plus utile. On va prendre des bowmen. Ah, ils ont plusieurs formations et tout. Ah, les fameuses ailes. Formation en aile. La fameuse aile. Un peu dépassée, mais efficace. Yes. Les références. Bref, disperser. On peut faire attaque. Changing unit, hold position. Yes, il y en a qui ont eu la référence. Je suis sûr il y en a qui ont vu le film après que Total War soit sorti, le film des Trois Royaumes. Ok, donc là j'ai mon C. Follow me. Follow me. Très bien. Le unit training. Ah, t'es en train là. Je suis en train. Formation. I love you. Ah, c'est trop bien. Donc t'as ton bataillon, tu les aug... Ok. Voilà. On les a défoncés. Talk to Supreme. Ok, donc. Mais alors, comment je fais? Donc, c'est X. Ah, ouais, donc X. Ah, ok, je leur demande d'aller à un endroit en particulier avec X. Voilà. Et là, attack at will. Sinon, follow me. Ah, ouais, ok. Donc, tu peux les positionner. Ah, c'est vachement. Ça peut être vachement intéressant, je pense. Vas-y, mettez-vous ici. Putain, j'ai l'impression de jouer à Total War comme si j'étais en fait avec mes troupes là. C'est ça qui est trop bien. Et là ils sont postés pour faire... Et là c'est... Follow me. Je vais faire tuer. Non, go. Ah c'est grave cool. Ah tu peux choisir... Ah tu peux... Ah bah voilà trop bien, il y a une... Ah ouais c'est ça que je cherchais. Ah ça c'est trop bien. Ça c'est trop bien. On a découvert le même truc en même temps. Quand pour pouvoir... Ah tu peux changer mec, tu peux... Wait what? S'appuyer sur B. C'est trop bien. Ah, formation des... formation de Chug... De, formation des Trois Royaumes, let's go. C'est trop bien, tu peux changer la formation. Form up. Là, ils sont en formation en L. Et là... Donc, tu peux aussi changer le sens dans lequel ils vont. Putain, c'est trop cool, ça.
Ah, vous foutez là. Franchement, il y a du potentiel. Hein. Moi, je dis il y a du potentiel. Ah, tu peux vraiment les placer précisément là où tu veux, quoi. C'est bien foutu. Très bien foutu, j'aime bien. J'aime bien, ok. Supply point pour changer d'unité, j'avoue. On va avoir d'autres unités. Moi, quand j'ai appris le concept du jeu, je me suis dit, il y a grave du potentiel. Ça peut être très sympa. En tout cas, moi, ça me plaît bien, ce type de jeu. On va regarder les Spearmen. Alors, formation. C'est ça qui est cool. Il est gratuit, ouais, ça, c'est vraiment bien. Donc, ils ont Shield Rush. Ah, c'est bien, ça. Eux, ils ont juste Attaque. Attaque Area, comment tu l'actives, ça? Advance. On va prendre les Spearmen, on va voir ce que ça donne. Ça va être pay to win. Apparemment, tu peux acheter que des skins avec l'argent. C'est ce que le mec m'avait dit, moi, quand je l'ai rencontré à la TwitchCon. Est-ce que c'est du BS? Ah, tu l'as rencontré? J'ai rencontré un des mecs qui bosse sur les serveurs. Mais ouais, qui travaille sur le jeu. Ok. Donc. Ok. Donc en fait, tu laisses appuyer et après, t'as plus besoin d'avoir la main sur le clavier. Ça, c'est cool. Turtle. Ah, oh, ils peuvent faire une formation tortue. C'est trop bien. C'est OP. C'est trop fort, tortue. Mais putain, oui. Ah, oh, c'est génial. Par contre, attaquer. Kakashi. Yes, merci. J'ai pris du temps. Ça suffit, tu vas mourir. Bon, c'est pas aussi fluide qu'un Dynasty Warrior, évidemment, mais... Ok. Form up. Je crois que j'ai perdu des troupes. Non. J'ai pas perdu de troupes. Donc du coup... Ah, ils sont... Oh la vache, les formations sont tellement stylées. Là, le mur de bouclier, il est vachement cool. Alors du coup, comment je fais le fameux... Ah, tu peux... Ah ok, donc en fait... Tu peux carrément aussi changer juste en appuyant sur F2. Tortue. The Unsolid. Ouais, c'est les Unsolid que j'ai là. Non, la formation de tortue est cool. J'aime beaucoup le travail qu'ils ont fait sur les formations d'unités. Je sais pas si c'est vraiment utile in-game, mais c'est grave cool. Ok. J'ai même pas vu comment on les change les formations encore. Regarde, parce que je pense que ça peut être utile. Bah là, j'ai fini le truc avec les... J'enchaîne. Restore your unit health. Ah, il faut que j'aille au supply point. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que... Your opponent's ranged unit is on the training field. Defeat them. Follow me. Yes, commander. Il est là le supply point. After me, unit, assemble. Move in. C'est quoi ça? Guard. Bon là ils vont se heal. Merde, y'en a un qui est mort. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. En position, en position. À l'attaque. Putain, c'est trop bien, il tank après. Attaque maintenant. Tu fais deux fois sur l'avant, tu fais une roulade d'avant ou pas? De quoi? Tu fais deux fois push avant. Ouais, ouais, ouais. Tu fais une roulade. Ah, deux fois avant, ouais, ça fait une roulade avant. Putain, c'est trop bien, du coup, tu prends des unités avec des shields et t'avances avec elles vers les archers. Trop, trop cool. Switch your unit in order to return to the target position to start the next round. Ok. Choose unit. On va prendre des swordsmen. Oui. Your unit is retreating. Ok. Donc oui, on est d'accord, c'est en early access. On est sur une bêta ouverte là, on n'est pas sur une sortie du jeu. L'icône qu'ils sont en train de fuir. Ah. Open bêta, oui. D'accord, ok. Alors, il est fait aller au milieu et je fais attack freely. Unit, assemble. Get moving. Attack. Ah, mais il fait quoi lui?
Ichimonji. On les a défoncés. Ok. Mais je sais pas comment faire le shield bash. Ils le font automatiquement peut-être. Du coup, switch your unit. Il faut que je retourne au starting po. Les unités ont des spells. Ouais, mais comment je fais? C'est vachement, vachement détaillé pour le coup. Shield rush. Ah, c'est ça. Ah, trop bien. Ah, c'est trop cool ça. Ah oui, t'as des spells pour chaque garnison, quoi. T'en es où, là? T'es dans la grande bataille ou pas? Ah non, moi je suis encore en train d'apprendre à utiliser les unités, en fait. Ok. Et les pikemen, ils font quoi? Ah, tu les as toutes essayées une par une, ok. Your unit is retreating. Moi, je vais full contrôler les mecs. Ah, donc ça, c'est juste des piquets. Donc grave fort contre la cavalerie, en fait. Donc eux, ils ont brace. Ah, voilà, ils ont le fameux brace pour attendre la cavalerie. Trop bien, trop bien, let's go. Faites-moi une belle ligne. Oh là, rocher. Wouah, les volées de flèches, elles me font pas du mal. Elles font pas du bien. Attaque. Bon, ça va que c'est des archers, ils nous ont pas tiré dessus de loin, mais ça aurait pu être une catastrophe. Ah, c'est trop bien parce que du coup, là, avec ça, si t'as une charge de cavalerie, t'es peinard quoi. J'ai hâte de débloquer des pouvoirs pour mon perso là. Enfin, des gros dégâts dans les rangs. Parce que là, du coup, j'ai mon spear. Crevé. Mon shield wall. Brace weapon. Ah, mais brace weapon en fait, c'est de base, non? Ah, tu peux leur faire. Ah, je veux. Ah, et là, si je fais brace weapon. Ah oui, ça les stop instant. D'accord, ok. Ah, c'est stylé. J'aime bien. J'aime beaucoup. Du coup, je dois faire un truc en particulier ou quoi? Là, il y a un mec avec un panneau. Là, il faut que tu retournes parler au. Leave training yard. Quoi? C'est un total war pour une personne. Ah, en ce moment, j'ai envie de guerre et de carnage. Écoutez, c'est comme ça. En ce moment, j'aime bien envoyer des milliers. J'aime bien envoyer des milliers d'hommes à la mort. C'est mon truc en ce moment. Ok, pour l'instant j'aime. En fait, je les écoute vachement bien. Hein. Ouais, t'as vu comme ils sont rapides. Ah, c'est cool, ça c'est agréable. Genre, je pense qu'à l'époque ça devait pas être ça. À l'époque, c'est je vous ai dit à gauche, bande de cons. Là, il est en mode after me. Et il suit. Level 3. Yes. Into war. Il faut que j'aille parler au capitaine. J'ai pas level up du coup. Si, j'ai des points d'attributs dispo. J'ai envie de booster un peu l'agility et la toughness. Appli point. Appli point. Appli point. C'est qui ça? Ah, Lucas. Unlock skills. J'ai pas des skills à débloquer là? Ah non, je peux pas, ça coûte 50, j'ai 0. Génial. Super. Ah, super. Et en fait, vous voyez, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce jeu, c'est qu'il y a un aspect full PVP MMO persistant. Genre, vous avez une map à conquérir et il y a des guildes qui peuvent conquérir des villes et tout. Et ça peut être grave intéressant. Mais bon, je connais juste le concept. Je sais pas en pratique comment ça va être appliqué ou si c'est applicable actuellement. Battle on the plane. Ok. Ça demande un farm journalier de 2 heures pour fight par semaine. Ah, ok. Vous voyez, c'est ce genre de truc, moi, qui me fait peur, du coup. Ok, Battle on the Plain, select item. J'en ai pas. J'ai rien du tout. Melee infantry, ranged infantry. Je sais pas. Il me donne rien, en fait. C'est normal, on n'est pas de troupes au début. Ah si, j'ai des swordmen. Bowmen. Je vais prendre des... je vais prendre mes bowmen. Yes. C'est 4 jours par semaine et que pendant 2 heures. Ah. Ok. De quoi? Qui est 4 jours par semaine? Apparemment, le système de monde persistant, il est pas si évident que ça, quoi. À l'attaque.
C'est quoi ça? Bon, finalement, la gestion d'unité, c'est quand même assez basique quoi. Ouais. Tu leur dis d'attaquer ou tu leur dis de te suivre. C'est ça. C'est cool qu'ils aient fait ça simple. Ouais, je pense que ça aurait. Je pense que là, c'est pile poil ce qu'il faut en termes de difficulté. Est-ce qu'il y a un truc qui te montre l'état de tes 19 sur 30 Shield Rush? Ah, ça c'est l'état de tes forces en bas à gauche. Comment tu vois comment t'as perdu l'unité? Je pense que c'est ça. Hein. Est-ce qu'ils peuvent tirer de là? Ah, ils peuvent tirer de là? Ça les touche? Ah, ils ont pas la portée. Ok. Merde. Ah, c'est grave utile les archers, je pense. T'as pris quoi toi comme régiment? J'ai les sportsmen, les mecs avec les épées. Ah ouais. Stop. Une flag. J'aurais que des paysans après le tuto. Ah merde. Ah là du coup on va être en mode. Mais putain mais poussez. Les pégus ils vont être en mode. Bah non. Pourquoi ils reculent? Mission complete. Ah oui je vois leur range en fait. Les ordres développés pour les batailles bien gérées. Attaquez sur les moins, attaquez sur les moins. C'est ça. Après s'ils ont des skills et que nous on a genre 4 skills, ça va hein. Ouais faut voir. Je sais pas si les archers font super mal. Je m'en rends pas trop compte. Us. Allez mourez là. Mourez pour la France. Voilà. Unit is in melee mode. Nani? Mais pourquoi vous êtes en melee mode? Oh ils ont plus de munitions. Ah putain il y a les munitions. Il y a les munitions qui sont gérées du coup. D'accord. Je vais mourir, je vais me heal. Ça va, tu peux te heal avec H. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent leurs flèches et ils en ont plus. Ah si, ils en ont maintenant. Comment ils ont récupéré des flèches? Nani? Nandashley? Apparemment, les archers sont pétés en early. Ouais, parce que du coup, t'as moins de pertes en fait. Bah ouais, ouais. Tu tankes avec ton perso principal. Tu te heal, tu recules et tout. Et du coup, faut peut-être jouer shield en fait pour commencer. Ah, y'a des ennemis archers qui attaquent. Allez, tirez là. Ah, je leur fais super mal avec les archers. Et hop, ça dégage. Allez, tirez sur ça là. Ah, c'est quoi ça? C'est un truc de resupply? Je peux capturer ça? Ah ouais. C'est marrant, il y a déjà un mec de notre équipe qui est là. En mode, bah ouais, faut caper le poids hein, si tu veux que on fasse quelque chose ensemble. Allez, avancez un peu là. J'aime beaucoup le fait de diriger une troupe. Je trouve ça grave cool. Franchement, ça, bah, pour l'instant, j'ai pas encore vraiment vu le jeu, mais ça, c'est vraiment ce que j'attendais du jeu. Ouais. Je me l'imaginais. Donc c'est cool. C'est genre après, on général OP qui défonce tout le monde.
Bah là, il y a un côté vraiment Dynasty Warrior. Là. Mais bon, en moins sexy que Dynasty Warrior. Ah donc c'est ça, en bas à gauche t'as l'état de tes unités. Ouais, l'état des unités en bas à gauche et surtout les munitions. Enfin moi j'ai les munitions décrites du coup. En fait t'as le raccourci, tu fais F1-F2, tu peux changer rapidement. Ah il peut stun. On a défoncé le général Pic. Capture le camp. On n'a pas capturé ça, tout le monde se casse. Ouais, attaquez, attaque. Allez, tirez, tirez, bande d'idiots là, tirez. On a gagné, victory. Ok. Victory. Bah, du coup, je crois qu'après, t'as fini, il te reste encore une bataille, après, t'auras fini, je crois. Non, j'ai jamais joué à Mountain Blade parce que graphiquement, Mountain Blade il fait un peu mal aux yeux. Mais j'attends beaucoup le prochain. Ça a l'air sympa, Mountain Blade, c'est vrai. Ok, j'ai fini la bataille du coup. C'était cool. Y'a du multi ? Oui, oui, c'est en multi. Là, c'est juste un tuto qu'on fait. Captain Tyler, never drink the water on campaign if you want to leave. Any decent army brings a field bakery and a supply of small beer. Très bien, donc un bon général qui nous conseille de boire de l'alcool plutôt que de boire de l'eau. Excellent. Ah, j'ai une, j'ai une quête qui va me filer un du stuff. Ok. Ok. Capitaine Henri. Henri. J'ai une super mercenary light armor, leather armor. Toi aussi t'as eu le loot. Ah j'ai un cheval. Ouais j'ai eu un. Yes. On peut diriger les trébuchets. Ah ouais. Nice, j'ai un nouveau stuff du coup. Ça c'est cool, il y a tout le stuff. Très bien. Je vais retourner donc à Sir Sigismund. The Bold. Sigismund the Bold. Il est là. Tombe de Battlements. Tu veux le 4? Ah oui, c'est vrai que je peux appliquer des spells. Ah là, cette fois-ci, j'ai des Spearmen. On va utiliser des Spearmen pour cette bataille. Mais tu peux changer ou pas? Bah ouais, ouais, au début, tu double-cliques sur l'unité que tu veux. Et elle s'affiche derrière toi. C'est bien, un Spearmen. En plus, il y a des chevaux, là, tu perds. Ah. Je vais faire des formations pour les bloquer. Je sais pas s'ils ont un bonus contre les chevaux. Je me demande si c'est pas plutôt les Pikemen. Les Pikemen. Mais ce qui est bien avec les Spearmen, c'est qu'ils ont des grands boucliers normands et du coup ils peuvent contrer les flèches. Le château est attaqué. La guerre. La guerre. La guerre. Tu sais, les films qui commencent par la guerre. C'est genre, tu sais que ça va être nul. Tu oui, sais, tu savais que ça va être tellement générique. La guerre. Ça fait des morts, la guerre, c'est pas bien. Je peux pas. Putain, c'est con, je peux pas appliquer mes spells. Suivez-moi. Allez, suivez-moi, bande d'andouilles, là, let's go. Enemies ahead. Smash them. Smash. 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 Hulk. Smash. Nodashi. Ouais, donc tu peux te faire coincer, hein, par les unités. Ouais, tu peux faire body block. Allez, touchez-les. Attaque. Yes, Commander. Yes, my lord. Est-ce qu'on peut faire en sorte d'installer un voice pack pour que quand je demande à mes unités d'avancer, ils fassent Yes. Yes, my lord. Encore du travail. Genre, je veux ça. Yes, my lord. Objective complete. Objective atteint. Il est mort. Yes, my lord. Burn them. Attack. Yes. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ah, cavalerie! Ah, je peux changer mes unités, je suis mort, ok. Yuri.
Il redescend. Follow me. Ils se sont fait déchirer par la cavalerie. C'est terrible. Yes, commander. Ah, moi aussi, j'aimerais bien changer les voix pour mettre... Truc qui pète totalement l'ambiance du jeu. Allez, défoncez-moi ce cheval, là. Voilà, ils l'ont eu. Ah bah ouais, hein, vous laissez de la cavalerie de choc juste après qu'on ait nos piquets, c'est pas une bonne idée. Je perds tellement de vie. Attaque. Je veux pas être méchant, mais dans le Seigneur des Anneaux, au début, ça dit la guerre. Ah bon? Ah mais ça a été le premier. C'est tous ceux qui l'ont fait après qui est où c'était nul. Ouais. C'est, ouais. C'est quand même sacrément kitsch, quoi. Convaincu. Tu sais, je j'avais pas vu tout à l'heure, je t'ai vu dessiner là ton sur le Hitler étoile de mer là, et j'ai vu ta vidéo du coup. Bah oui. J'avais jamais vu. Putain. C'était sur ta chaîne en fait, ça s'est fait dégager à cause du Hitler, l'étoile de mer, ouais. C'est ça? En fait, je pense que parce qu'il y avait Hitler dans le titre, ça a dégagé immédiatement. Je en fait, j'ai fait appel et ça a marché. Ah, elle est donc elle est re sur ta chaîne? Non, ça a pas marché. Ils ont dit, on a regardé la vidéo et en fait, c'est un peu trop appel à la violence. Il y a rien dans la vidéo. Ça. Ah merde. Fais bûcher. Ah, ouais, c'est juste un message automatique en fait. D'accord. Ichimonji. Oh putain. Oh, je crois que je vais faire la même erreur que toi. De mourir? Ouais. T'as utilisé le trébuchet ou pas en appuyant sur G? Ouais, j'ai fait. C'est pas mal ça. Le trébuchet est verrouillé. C'est long. Il me faut un spell qui me heal quand je tape les ennemis. Il me faut ça. Le vampirisme. Ah ça c'est... C'est souvent bien OP dans les jeux ça. Dans les jeux de ce style. Où tu full tap dans la mêlée, tu te full heal, t'es juste instoppable. Level 6, c'est une blague. Ah mais t'es trop fort. Le tuto, d'accord. Pas enfin, en fait. C'est le jeu. Je suis déjà level max. Oula. Here comes a new challenger. Y'a Trauma qui me défie. A l'aide, j'ai peur. Oh, j'ai mis deux critical strike, il a pas kiffé. Voilà. Ah bah voilà, j'ai fini. Us. C'est tant le bordel. Ça n'a aucun sens. Oula. Us. Die. Voilà. Easy win. On a tué Lord Valen. Il valait rien. Ah, je suis mort. Merde alors. Je me suis oublié. Mon unit est en retraite. Il fuit. Oh putain, je vais avoir les mêmes problématiques que dans Total War. Il fuit, mes idiots. Bah prenez les pikemen du coup. Ah, je vois mes unités qui sont en train de fuir. Ah, ils ont dit pop. Superbe. Ichimonji. Donc en fait, ouais, ils ont des petits icônes verts au-dessus d'eux, mes troupes. C'est ça l'idée.
Nous avons capturé Jérusalem. Let's go. Neus Wolf. Victory. Le V ressemble à un B, j'avoue. T'as vu à la fin des écrans quand il y a écrit Victory, on dirait un B le V quoi. Ah non, j'ai pas vu. Victory. Tu verras tout à l'heure. Victory. Victolides. Nous fûmes victorieux. Cette bataille nous offra la victoire. La victoire. Nous sommes victorieux. Mon planning de live, c'est sur mon dur et long bomba. Après un bur et bon bomba, t'es un mec. Avec ma bâche et mon bébé. Il met bébé partout. par ici. Mon planning, c'est sur mon site sur alphacast.fr. Tu peux te retrouver. Faute de frappe, le B à côté du V. Vous pensez vraiment que c'est ça? Ça le fout mal si c'est ça. Moi, je pense que c'est peut-être la cursive qui est juste bizarre pour la police qu'ils ont utilisée. Quest. Paperwork. Travel permit. Une lettre. Single free journey to the region of your choice. Ah, tu peux choisir la région où tu vas. Ah oui, bah t'en es là. Bah du coup, on peut se rejoindre maintenant. Attends. Ok, coup. Faut que je parle à Caporal Ludovic. Ah putain, on dirait vraiment Ludo. Voilà, super. Attention, il y a une lettre. His Honor. Watchman Bill. Peter Adler, Knight of Hagvark, Captain General of the Company of the Silver Star. Much of the letter is a procession of titles and honors. In recognition for loyal service rendered, the above named is pleased to issue a travel permit giving the right of freedom of movement to the bearer of this document. Signed this day under our authority, PVH. God save the Emperor. Ah, on est. C'est Warhammer, c'est cool ça. Très bien. Bon bah, j'ai reçu une lettre. Je vais où lui maintenant? Je vais parler là-bas. Mon cher Albagast, vous êtes level 5. C'est vrai ça. Faut que je level up. J'ai envie de renommer mon personnage du coup. Je suis level up, j'ai level up. Toughness. Augmenter la toughness encore. Encore l'agilité. Faire full toughness et agility. Je sais pas du tout si c'est une bonne idée. Quelque chose me dit que non. Ah, je parle à Commander Adley. You're off then. Il me serre la main. A new chapter of your life is beginning. Faut que j'aille parler à l'autre là-bas. Enfin, c'est full, parle à lui. Faut que t'ailles parler à Watchman Mill, c'est ça, près de la porte. Attends, est-ce que Lucas me permet de prendre des spells? Ah non, zéro, que dalle, nada. L'agi, c'est pas pour ton arme. Ah merde. Ah, c'est cocasse, du coup je ne savais pas. C'est bizarre que l'agility ce soit pas pour le Nodachi. Parce que en général, Nodachi c'est plutôt agilité. Après, c'est vrai que Nodachi dans Dark Souls, c'est force. Choose a new region. Ah, je peux choisir une région. T'en es oui, là aussi. Du coup, on peut se rejoindre à ce moment-là. Le tuto est fini en fait. Ok. Bah merde alors. Bah Crapo m'a dit qu'il était chaud aussi pour le jeu. Faut qu'on lui demande où il est. Attendez, on va attendre Crapo. On va appeler Crapo. Crapo. Culapo. Tu peux cliquer sur leur nom en jaune, ça te déplace ton bonhomme tout seul. Ah oui, j'avais vu qu'il y avait de l'autorun, ouais. Grabo, ouais. Ouais, Grabo. Pas trop bien. Ouais, il y a un autorun. J'ai pas vu. Mao Yang. Watchman Bill. Il faut qu'on aille à Mao Yang. Ah, Mao Yang, c'est tout en haut à droite. Mao Yang. A vast desert encompassed by mountains. Mao Yang appears barren. But is home to a tough and unsentimental people. It is generally arid, save for a single lake which supplies the capital city of Anliang with fresh water. Being located in the middle of several mountain ranges has inspired stories about the desert sands being the remains of a gigantic meteor which crashed here millennia ago. Cool. Mélénia. Bonjour Crapo. On va à Mao Yang. Ouais, Mao Yang, ouais. Yes. You sure to start here? Oui, on va chez les Pégus dans le désert. C'est à cause de Crapo si on pique ça. Hein. Oh là là, attends, moi c'est à cause des autres. Alors qui était à l'origine? C'est Zvonimir.
Zvo. Ta faute. Zvo. Eh ben, mais on peut changer de région après ou c'est mort? Alors en fait, pour le moment, si j'ai bien compris, c'est que pour le moment, non, tu peux pas trop. Mais ah après ouais. La bêta, logiquement, tu pourras te balader dans toutes les zones. Là, c'est okay. Genre t'as accès à Q. Oh, what the fuck quoi. Comment on se rejoint du coup Ah bah moi, ça y est, j'ai spawn. Moi aussi. Ah bon, t'es où? Mais tu n'es pas là. Moi, je suis C'est quoi le nom de ton serveur? Bah, c'est écrit où? C'est marqué à droite, je crois, mais j'arrive pas à... Moi, j'ai WRT30MS. Deux lines. En ami, au pire. Ah, t'es un line, deux line ou trois line, Cola? Ouais, je suis un line. Ah, bah vas-y, j'arrive. Je suis un line, ok. Ah, mais c'est les channels. C'est comme dans les MMO, c'est comme dans Ion. Tu peux changer de channel, c'est le phasing. Non, Alpha, c'est pas comme dans Ion, c'est comme dans Guild Wars. Ah, pardon, c'est comme dans Guild Wars. Ça casse Guild Wars, incroyable ça. Ah, oui, excuse-moi. Excuse-moi, ça. Mais pas d'où tu viens. Ion m'a plus marqué que Guild Wars. Je qui tu es. Désolé. Je charge là, j'arrive. Y'a Ramon Senpai à côté de moi. Obey your master. Je te vois pas, Cola. Non. C'est quoi ton nom? C'est Alpha Cass. Non. Je suis dans line 1, ok. Pourquoi je te vois pas? T'étais mis sur les serveurs d'Europe de l'Est ou de l'Ouest? Ah merde, on est peut-être pas sur le. Mais oui, on doit pas être sur le même serveur tout court en fait. Moi j'ai mis West Europe. Toi aussi? Ouais, moi aussi, ouais. Donc mais en attends. Fait, là c'est la carte de campagne où en fait on se déplace de ville en ville. On va yes, de ville en ville. Ok. Exactement. Ah c'est cool ça. Et on peut peut-être se rencontrer avec Cola dans une... Dans la capitale. Ah je peux... Ville, là, c'est quoi Pursue? Ah je peux attaquer des gens? Ouais, s'il y a du PVP c'est du 1v1. Ah c'est du 1v1 pur? Ouais je crois que c'est du 1v1, ouais. J'ai jamais testé après. Ah ouais là c'est vraiment une carte stratégique quoi. Putain j'ai... On joue à... Ah ouais d'accord ouais. What the fuck, c'est quoi cette map? Mais c'est gigantesque! Ah ouais, elle est grande. Oui, ça a l'air complet, ouais. Ah oui, d'accord! Oh. Ah oui, donc c'est pas un petit monde, en fait. Et donc, il y a des régions, et les gens peuvent capturer des villes, on est d'accord. Ça, c'est cool, ça. Kongqi Wayfarer. Qu'est-ce que c'est? Ah, je quitte une safe zone. Ok, non, c'est peut-être pas une bonne idée. T'es allé dans la ville ou pas? Je vais dans la ville. Ok, tu me diras sur quelle line t'es. Ah, les gens peuvent joindre le combat. J'aime bien. Franchement, le concept me plaît de ce jeu, mais j'ai trop peur que ce soit trop mal foutu en fait. C'est quoi ça? Enter. Vas-y, je rentre dans Anliang. Anliang? Anliang. Bonjour en coréen. Anyang. Mais ça s'écrit pas. Ouais, Anyang, c'est bonjour en coréen. Annyeonghaseyo. Bonjour. C'est les deux mots les plus importants en Corée. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Ça, c'est vraiment très important. Bonjour, merci. Très bien, je suis là. T'es sur la line combien? Line 8. J'arrive. Putain, c'est trop, c'est vachement cool. Ça me rappelle les villes dans Silk Road. Il y a une ville de Silk Road qui a la même tronche. Ça me ramène grave en arrière. Cheval. J'ai pas de cheval. Crapaud, tu viens? Ouais, des mecs trop stylés déjà. Tu regardes vois le chat ou pas? Conqueror. Ouais, je vois le chat. World. Que je t'écris. Ah non, je vois rien. Est-ce que tu m'écris? Ah, Whisper. Wait, Alpha. Il y a un mec qui m'a dit Wait, Alpha Cast. Oui. Non, c'est pas vrai. Tu me vois pas? Non. 8 line. Tu vois pas 8 line? T'es dans 8 line là? Ouais, je me suis mis dans 8. Mais on doit pas être sur le même serveur, hein. Fuck. Du coup, Attends, je vais avancer. Peut-être relog. Je vais te trouver. Au pire, les gars, ajoutez-vous en ami sur le jeu. Ah, on peut s'ajouter? C'est comme ça, ouais, comme ça. C'est où qu'on s'ajoute? Normalement, bah là je suis en bataille, mais normalement je crois que c'est une des touches que t'as sur le haut de ton écran là. T'as ah oui, ça doit être O ou L. Available ouais, after level 2. Ouais. My friends! My friend! C'est Bim du coup ton pseudo dans le jeu? Non, c'est Grudel. C'est vraiment? Ouais, c'est Grudel. Ok. G-R-U-D-E-L-L-E. D-E-L-L-E.
peu, c'est sacrément laid. Je t'ai ajouté no such player. Bon, ça m'a dit no there is no such player. Attends, Grudel, G-R-U-D-E, 2-L-E. Ouais. Mais t'es sûr qu'on joue au même jeu là? Parce que là, genre, je te trouve pas en fait. What the fuck? À Fortnite là? Non, mais t'es peut-être pas sur le même serveur. Non, mais je vais relancer du coup. C'est un mélange de Total War, Dynasty Warriors et Mountain Blade. Ouais, c'est ça qui est cool. Non, mais le concept est vraiment stylé. Alors attendez. Sinon, je vous invite dans la maison, comme ça après vous rejoignez plus facilement aussi. Ouais, tu peux me rejoindre, crapaud, je vais t'ajouter aussi à ma liste. Yes, attends. Je crois... On peut fuir la bataille? Yes, on peut fuir la bataille. Vous serez pénalisé. Fuis. Ah, non. Attends, ouais, mais non. Sinon, après j'ai 10 minutes genre d'attente, c'est relou. Y'a no such player aussi. Crapaud, y'a no such player. Vas-y, je relance le jeu. Je vais voir s'il me propose de changer de serveur. Ah, mais ouais, au tout début, t'avais choisi Europe Ouest. Ouais, moi c'est Europe Ouest. Ouais, c'est, je crois que c'est ce que j'ai mis. Ouais, t'avais mis ça, ouais. C'est super bizarre que ça te propose pas la même chose. Ah, ouais, c'est chelou. Attends, character list, je vais regarder moi si je vois le serveur où je suis. Moi, je suis à Maoyang, ouais. Ah, mais c'est pas précisé les serveurs. Attendez, je vais peut-être relancer le jeu. Parce que, on est d'accord, ton caractère, ton perso, il est pas lié au serveur. Je ne crois pas. Je ne crois pas, après, je pourrais pas te confirmer ça. Ok. Ah putain, je relance mon jeu. Vraiment dead. Sur le nom de la ville, c'était marqué Eastern Europe. What? Sérieux? Ah, donc c'est peut-être pour ça alors. Merde. Oh. Sur le tien ou sur le mien? Connecter, cette opération peut nécessiter quelques secondes. Nenni? Comment ça? Pourquoi il m'aurait mis en Europe de l'Est? The fuck? Ah, t'es peut-être typé Europe de l'Est, on va savoir. A priori, ouais. C'est mes heures passées sur. Ouais, ça doit être ça. Sur les dance floors russes. Ouais, putain, je sais pas ce que je dis. Ouais, non, ouais. Jouer. Je peux plus relancer le jeu, c'est génial. What the fuck. Ouais, moi non plus, ça marche pas. Toi aussi, ça marche pas, ça reste bloqué à. Putain, j'aurais pas dû me déco, quoi, idiot. Non plus. On me dit qu'il y a des soucis. Apparemment, il y a des soucis de serveur aujourd'hui. Ah, ça roule, Vuslin. Merci, Vuslin, aussi pour un beau cadeau, j'ai reçu hier. Espèce de fou, ouais. Merci à toi, c'est super gentil. Faut que j'essaye ça. Oh. Essaye de l'authentification Steam. Essaye de try to start the game via Steam. Ah ouais, ça m'a dit ça aussi. Bon, eh bien. The fuck? Oh, je sens qu'il y a un bug par rapport au jeu, faut tout relancer, non? Est-ce que j'ai le truc en cours? Et vous voulez pas tester, genre je vous invite dans la maison tous les deux et on voit ce que ça donne après moi. Bah en fait, on aimerait bien, mais il faut lancer le jeu quoi. Ah mais là vous avez rêvé carrément pas à vous connecter. Ouais, on n'arrive plus à relancer le jeu en fait. Ah super, génial, au top. C'est une bêta. Après toute l'après-midi là ils ont eu des pannes serveurs et tout. Non. Mais moi là ça marche bien, je comprends pas là. Ouais, quitte pas le jeu. Ouais, je vais peut-être pas quitter, ouais non. Mauvaise ambiance. Merci Karate Kid pour le Prime. Léolio, merci à toi aussi pour les 10 mois. El Wolver pour les 3 mois, Scard pour le Prime. Merci Shooterfly aussi pour les 12 mois, les 1 an. 1 an, en tier 2 en plus. Merci mec, c'est super gentil. Merci à toi Shooterfly. Merci Carcass aussi pour les 5 mois. Chrisiel pour le reset de 16 mois. Un petit alpha, mais un grand alpha pour la communauté. C'est bon. Merci à toi Chrisiel, merci. Jericho aussi pour les 2 mois, enfin 5 au total. Fairim pour les 19 mois, merci à toi. Urmis pour le Prime. J'ai aussi les subs d'hier que j'ai oublié de remercier, comme un petit salopio là. Il faut que je vous remercie. Du coup, j'avais oublié qui? J'avais oublié Damarus, 5 mois, merci à toi. Manzanika pour les 9 mois, Robizobu pour le Prime, Oldswin pour les 16 mois,
Merci Ken le folio, le Ken le philo aussi pour les 32 mois de hier en tiers de Yo Alpha, ça y est, j'ai perdu le compte de mes mois d'abo. Je compte sur toi pour faire de l'empire au milieu des camarades mangeurs d'escargots et de grenouilles. J'ai échec d'authentification Steam, c'est extrêmement relou, je ne sais pas pourquoi. C'est très pénible. Il faut que je trouve une solution parce que c'est pénible. Vérifier l'intégralité des fichiers du jeu, on va voir ça. Merci Pukalemon pour les 12 mois aussi, un an. Merci à toi. Aorina, merci aussi pour les 36 mois en tier 2. Il semblerait que le général Alpha Cheng soit de nouveau pris dans ses grandes visions de conquête en compagnie de sa fidèle armée et de ses escrocs généraux. Mais attention, généraux. Doit-on dire à notre chef qu'avec son skill cap, cela risque de prendre 36 ans 36 ans pour toi, oui, a priori. 36 mois, merci à toi, Aorina, c'est très gentil. Merci pour le soutien. Joker with Guns aussi pour le Prime. Merci Redbeard Teacher pour les 23 mois. GG La Forme pour le Prime. Damaris pour les 3 mois, Brumatus, Milorn, Azurix, merci à vous les potes pour le soutien, merci à vous. Du coup, en même temps, Steam a l'air en PLS, ah ouais, Steam est en PLS, putain, la pire erreur quoi, de quitter le jeu, je pouvais pas savoir, c'est chiant. Je relance du coup en mode premier lancement. Salut. salut, enchanté. J'ai fait réparer le jeu moi, vérifier l'intégralité et du coup je vois si ça va marcher cette fois-ci. Échec de l'authentification Steam. C'est frustrant. Hein. What? C'est chiant de ouf en fait. Comment ça se fait? J'ai plein de gens là dans ma friend list. Ah, ouais, mais joueurs, en fait. Le problème c'est juste de pouvoir relancer le jeu en fait. On veut jouer. On veut jouer nous. Je vais essayer de lancer par là. Est-ce que quelqu'un dans le chat a une... C'est un bug classique du launcher Steam. Ouais. Passe par le client direct de l'éditeur. Si tu DL, direct par leur site. Ouais, mais après, faut que je réinstalle le jeu. Ça va me prendre 1000 ans. Faut que tu re-DL tout, quoi. Ah ouais, non, mais quel enfer. Non, ça va me prendre 1000 ans. Vous vous rendez pas 23 gigas, ouais. Ça va me prendre beaucoup trop de temps. Je suis allé sur ton lien, Cola, mais... Ça marche pas ? Je crois qu'il y a Steam, il est en PLS. Je crois que tout est en PLS là. Ah ouais, c'est Steam qui est en PLS ? Je crois qu'il y a tout est en PLS là parce que j'arrive pas du tout à y aller dessus. Ah l'horreur. Bon, elle est sûrement deux. J'avoue. Est-ce que j'y arrive ? C'est chiant. Ah, de ouf. Attends, est-ce qu'il y a pas du Reddit ou des trucs qui en parlent ? Non, tellement pas de chance, quoi. J'aurais tellement pas dû relancer le jeu. Je suis deg. Ah, tellement moi, je deg. Rejoins la maison, comme ça, vous pouvez vous inviter. Ça te faisait switch. Putain, quoi. Motherfuck. Ok, j'ai un truc qui se lance. Steam va bien pour moi, je vais relancer pour voir. Il y en a qui y arrivent ou pas? Tu vas relancer ton routeur. Non, mais j'ai pas envie de reboot mon stream pour ça. Je le dis. Hein. Déco recostime, ça marche de temps en temps. Bah, j'essaye. Ouais, mais j'ai fait ça 3 fois, ça a pas marché. J'y crois moyen. C'était une blague. Oui, non, mais je me doute. Mais genre, rien que de lire, ça m'a fait peur. Bon. Ah oui, Steam galère à me connecter à mes amis. Ah, mais c'est Steam qui est vraiment en PLS en fait. C'est fou. Nani. Ah ouais, non, Steam est vraiment pas bien, je pense. Ah là, je... Ah non, là, ouais, ça, d'après, c'est... D'après le chat, ouais, il est pas bien. Oh purée, vas-y, l'enfer. Et toi, sinon, t'es toujours... Vous savez que... Ah, moi, je suis toujours en jeu, moi, je quitte plus, là, maintenant. Ah non, t'as raison. Plus. Vous savez que Rust, il y a eu le wipe et la mise à jour et tout. Je vais d'ailleurs aller sur Rust dans pas longtemps, moi. On va peut-être faire ça du coup. Parce que... Ouais, Russ, c'est bonne découverte en plus. Très bonne découverte. Ah, ça m'emmerde, je voulais jouer à ça là. Allez. Il a l'air bien, hein. Il a l'air bien quand il marche. Non, en vrai, il a l'air cool. Non, mais c'est. Putain, il n'y a pas un moyen de transférer l'install ailleurs? Échec. Oh là là, ouais, non, mais Steam est full PLS. Hein. J'arrive pas du tout à me connecter ni sur internet ni sur rien. Ah ouais,
Ah, tu peux localiser le dossier du jeu en passant par la plateforme éditeur. Ah ouais? Ha! Les techniques. Vous pensez que je peux faire ça? Pense... Attendez, je vais pas... Conquer Blade. Je vais DL le jeu. Enfin, je vais DL par le jeu. Ouais, mais ça veut dire que j'aurais pu mon perso. Ah, mais non, mais Dayum non plus là, arrive pas à se connecter là, apparemment. Ça veut dire que j'aurais pu mon perso. C'est nul. C'est nul de ouf. Ah, parce que mon perso, il était lié à mon compte Steam. Bon, mais j'essaye de faire la manip. Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à se connecter le jeu là, en lançant le jeu sur Steam? Est-ce qu'il y en a qui arrivent à faire ça? Steam Maps. Ah, ça marche. Sérieux? Rust, ça marche. Mais vas-y, mais tu. t'es le mec le moins drôle du monde. Pas possible, quoi. Attends, moi ça marche. C'est vrai? Ouais, mais c'est en faisant le trick. Il a lancé Rust aussi. Attendez, ça se trouve, ça marche, moi. Le jeu. Mais mort de rire, le jeu se lance. Le jeu se lance vraiment, moi. En faisant le trick du chat. Comment t'as fait? J'ai téléchargé via le site. Et en gros, l'installeur m'a demandé de choisir un dossier d'install. Et du coup, il faut que je recrée un perso. Vas-y, c'est trop chiant. Ah putain. Quoi, ça t'a dilaté ton perso? Hein? Ça t'a dilaté ton perso? Ça m'a... Bah en fait, oui, là j'ai un autre perso, quoi. Ah. Harry, toi. La difficulté. C'est ça le problème, quoi. Après, tu peux peut-être commencer de zéro. Ils sont beaux, les persos, moi. Je regarde ton label. Ah, ils sont sublimes. Ils sont beaux. Yes, bon, allez. Yuita. On va full skip. Je spam try de mon côté, je te dis dès que ça revient. Trop bien, Vigeline, merci à toi. Bon, bah, c'est la réponse, hein. Ouais, mais ça marche en effet, tu peux te connecter. En fait, c'est Steam qui est en PLS, c'est pas le jeu. Bah ouais, Steam est dans les choux, ouais, non, c'est pas le jeu. Mais ouais, quoi, là, tu peux télécharger via le site et en fait, faut juste que t'installes le jeu là. Enfin, quand il te propose d'installer le jeu, tu l'installes là où il est dans le dossier Steam en fait. Du coup. Ah ouais. Sauf que moi, je peux pas faire ça. Pourquoi tu peux pas faire ça? Parce que moi j'ai pas accès au jeu depuis ma région, donc faut que j'utilise NordVPN. Mais avec NordVPN, tu peux le faire. Et je vais pas du coup changer mon IP en plein live, ça va couper mon live en fait. Ah merde. Ouais. Ah merde. Vraiment. Tu peux pas le faire pendant le truc. Et ça peut être switché. Ah mais je sais. Je sais ce que je vais faire. On va faire un truc tout bête. Oh là là, je suis en galère depuis tout à l'heure, moi. Non mais si, j'ai une solution pour toi, Colin. Une solution pour toi. Qu'est-ce que ce jeu? C'est un jeu qui a l'air assez cool, qu'on est en train d'essayer. C'est une sorte de mix entre Dynasty Warrior, Total War, plein de choses. Ah, tu vois, il y a du Total War. Tu vois, t'as mis Total War. Oui, avec les unités, un petit peu. Tu vois. Mais bon, très vite fait. Hein. Oui, c'est ce que je disais. Alors attends, du coup, yes. Voilà. Je te vois pas en ligne. Yes. T'as dit quoi? Je te vois pas en ligne. En ligne où? Sur Steam?
Oui, mais c'est normal, je suis pas sur Steam. Mais what? Ah oui. Hop. Voilà. Et là, je t'envoie un lien sur TS. Voilà. C'est le downloader en fait que je t'ai passé. Ah. Putain. Trop fort. Trop fort. Oui, c'est ça, c'était ça la solution. On trouve même plus le jeu dans le magasin Steam. What the fuck? Ah merde. C'est revenu pour Vuseline. Ah ouais? Ah, c'est revenu pour certains? Est-ce que ça confirme dans le chat? Est-ce que c'est confirmé par du monde? Nope. Il échappe, passer le didacticiel. Ah oui, on peut skip déjà. C'est en train de revenir. Je l'ai toujours, nope, j'essaie avec la archer, je suis endormi d'ennui. Ouais, à mon avis, c'est pas très fun, archer. Je pense pas que c'est super fun. Ça a l'air full rincé, Stadia. Ah oui, il y a la conférence, là. Je suis ça de loin, verso, de très loin. Du coup, je l'installe là où il est déjà installé, en fait. Ouais. Dans Common, dans le fichier Steam. Ok. Je vous ai mis les statuts de Steam. Envoyez les statuts de Steam. Et tout est mort de chez mort. Nice. Non, c'est pas de chance, ça. Truc qui arrive jamais, t'sais. Ouais, non. C'est que Steam soit full down comme ça, ouais. C'est quoi, vous avez débloqué votre personnage? Non, pas quoi. C'est ça pour skip tout? Le jeu est gratuit, ouais. Le jeu est gratuit, les copains. Mountain Blade, t'en penses quoi? J'ai jamais joué à Mountain Blade, mais j'ai vu des streams et tout. Ça a l'air sympa, mais c'est sacrément laid graphiquement, donc j'attends le prochain. Bannerlord, qui va sortir dans 7 ans. Environ. C'est ça, c'est débloquer le personnage? The fuck? Ah, c'est pour le faire revenir au spawn. Ouais, comme par hasard, Conf Stadia, Steam down. Ah putain! Ah oui, j'avoue! Trop drôle, tu sais. Il y a une Conf Stadia et Steam est down. Steam est en PLS. Oh, quand même. Ouais, quand même. On a fait ça. Oh. Quand même, c'est un peu gros, quand même. Oh. Moi, depuis tout à l'heure, j'essaye d'inviter Cola, j'y arrive pas. Non, mais ça marche vraiment pas, il y a vraiment rien qui marche. Bah moi je te dis, hein, la technique que je fais, je suis dans le jeu. Non mais le jeu ça c'est bon, moi j'essaye juste de l'inviter dans mes amis Steam. Mais vu que tout est down, je peux pas le faire. Ça marche pas, la requête part pas en fait. En fait le tuto est ultra rapide, quand tu skips tout. C'est genre, aucun problème en vérité. Oui tu peux le skip le tuto, mais tu perds des XP, mais je pense que ça vaut pas grand chose. La vole Sully. Yes? Ben. Voilà. Voilà. Let's go. Hey, cours! Cours! Plus vite, idiot! Merde, c'était pas par là, putain! Quel débile! Oula, les animations elles sont en PLS quand tu tombes. J'ai recommencé parce que Steam est down, mais c'est pas grave. Ah, là, il y a un truc d'instance. Je vais skip le truc instantanément. Fuir la bataille. Non, on va skip le tuto. Victoire! C'est un MMO, oui.
Non, les animations sont pas folles. Mais bon. C'est pas grave en fait. Moi, si le concept est cool, ça me va en fait. Je peux passer les animations pas folles. C'est pas quelque chose, vous voyez, qu'ils peuvent pas améliorer. J'ai plus un problème avec un jeu qui passe 1000 ans à faire des animations, à faire des détails débiles, mais qui avance pas sur les systèmes vraiment importants qui font que le jeu est fun à jouer, plutôt qu'un jeu qui va peut-être faire des animations pas ouf ou des graphismes pas ouf, mais qui va avoir un concept trop intéressant et qui sera instantanément fun à jouer, quoi. Hop. Hop. Du genre Star Citizen ? Ouais, bah Star Citizen, je trouve qu'il passe trop de temps sur les détails. Je trouve ça chiant. Trop de temps sur les détails. Trop perfectionniste, c'est relou. Du coup, ça fait que le jeu avance pas, je trouve. Mais bon. Apparemment, tout le monde est dans votre cas. Hein. Ouais, tout le monde en PS. Ok. Bon, bah c'est cool. Génial. Bonne nouvelle. Comme Overwatch ? Non. Overwatch n'est pas atteint de ce problème. Je sais que c'est un peu le truc à la mode de taper sur Overwatch, mais ça n'empêche pas que vous pouvez rester objectif. C'est un dead game, Overwatch. Merde, les filles. Dead. Ils m'ont déçu. T'as une première troupe, c'est des bûcherons. J'ai pas de cheval en fait. De cheval. Je veux un cheval, moi. Il y a des annonces Discord qui passent. What the fuck? Il y a des bandeaux publicitaires d'annonces Discord dans le jeu. Je comprends rien, gros. Ouais, c'est des. C'est genre, tu utilises un objet pour faire ça. Ah, d'accord. Ah, c'est marrant. Ça me rappelle vraiment les délires à la Silk Road, ce genre de truc. Bon, en vrai, après. Les délires à la MMO coréen, en fait, tu sais. Genre des items qui te permettent vraiment d'avoir un impact sur le serveur. Genre ils ont tendance, en général les MMO asiatiques ont tendance à donner pas mal de pouvoir aux mecs qui farment le plus en fait. T'es au mec qui vraiment, il te donne des items, t'es là, sérieux ça te permet de faire ça? Dans un MMO western jamais ce serait le cas. Mais dans les MMO asiatiques ils ont tendance à donner ce genre d'items. Je trouve ça cool, mais après bon, ce qui est chiant c'est que ça demande énormément de farm quoi. Ouais, bah là pour le coup, juste le message ça demande rien, il te le file au début. Ah bon? Mais t'en as qu'un seul? Trois charges. Non, t'en as trois. Trois au total? Des messages. Ouais. C'est un enfer. Faire trois messages comme ça, ouais. Bah ouais, j'ai fini le tuto. Ça va vite, hein. Quand tu skips tout, ça va vite. Hein. T'en es où du coup, Colin? Ça a marché ou pas? Je l'installe dans l'application Steam. Non. Le fichier d'install de Steam. Dans Steam Apps, Common, le nom du jeu. Ouais, mais voilà. Ça c'est dans Program File. Dans... Ouais, dans là où tu installes ouais. Tous tes jeux Steam. Sauf qu'il veut pas en fait. Il me dit il peut pas être installé dans C:/Program File. Pourquoi? T'as pas mis les autorisations peut-être? Attends, je check. Je vais dans la ville, crapaud. C'est trop bien ce message. Je vais dans le la ville. Si système C:/Program File ne peut pas être sélectionné. Moi je suis en bataille là, après vas-y. Bah fuck. Pourquoi ça peut pas être sélectionné? Ouais, je sais pas. Archeage, c'est devenu nul. C'est vrai qu'Archeage, il y a beaucoup de monde qui en parlait pendant un temps. Essaye en mode admin, on dit. Ouais, ouais, je l'ai lancé en mode... mode papa. Moi le papa. Après, là, je suis en bataille, le lag est infâme. Hein. Tu vois, les mecs se téléportaient. Le jeu va pas passer plus. Sur la route, voilà enfin arrivé à destination. Présentez vos papiers au veilleur qui remarque le saut de cire. Vous êtes bien loin de chez vous, hein. Le veilleur vous oriente vers l'officier d'instruction. Citant le texte de loi obligeant tout étranger à se présenter aux autorités. Ah, vous remarquez que même cet endroit n'a pas été épargné par la guerre. Les patrouilles sont nombreuses. Des râteliers d'armes ont été mis à disposition un peu partout. Les citoyens sont sur leur garde. Pam, padabam, pam, pim, pim, pim. J'aime bien la musique. Hop là. Je suis dans la ville du coup. Il y a un maître d'écurie ici. Ah, les mecs ils ont des chevaux et tout, moi je veux un cheval. Putain, il a un cataphracte d'élite lui, il a des lunettes. J'aurais voulu, c'est... Non c'est des tatouages. Putain mais c'est quoi cette armure?
J'ai l'impression de croiser les mecs trop forts dans SAO, tu sais, quand les mecs au début ils croisent les mecs trop forts des guildes pétés, il est là. Ouais, il est si fort, il est level 50, je suis level 1. Putain, lui, il a une arme de samouraï quoi. Bien joué les patrouilles de cavalerie. Officiel d'instruction examine vos papiers. Bienvenue chez vous. Bienvenue par chez vous l'étranger. Je vous fais un bref état de la situation. Les rebelles et les brigands grouillent dans la région et attaquent les marchands. Voilà, il y a plein de récompenses. Donc c'est les armes. Pas très convaincu par vos armes, l'ami. Allez donc voir notre forgeron. Wakata. Ah, il faut que j'accepte une récompense. Donc ça, Max, vous vexe un peu, vous décidez de voir le bon côté des choses. Après tout, c'est l'occasion de faire une nouvelle rencontre. Le forgeron vous fabrique, entre autres, des armes ou des armures. Sous réserve que vous ayez des matériaux nécessaires. Donc faut avoir des matériaux pour crafter. Vous pouvez également recycler l'équipement obsolète avant de réutiliser les matériaux bruts. Ah, c'est bien ça. Donne-moi un Odachi. C'est quoi, c'est ça? Guandao? Non. Ah, Nodachi Royal. Nodachi Royal. Yep. Acceptez la quête. Faut que j'aille là-bas. Bon, T'en es où alors? Non, fonctionne. Tu l'as mis en français le jeu? Bah, moi il est en français, ouais. Donne-moi le Nodachi. Carte d'XP de héros. Une bataille. Ah, c'est pas mal, on a des boosts d'XP du coup. Forgeron, tout saute alors que vous examinez l'arme que vous venez de prendre. Vous savez, l'apothicaire est également une personne soucieuse de l'harmonie de cette ville. Faut aller voir l'apothicaire. Apothicaire prêt. Comment je trouve le jeu? Prometteur. Je viens de voir un message avec Dynasty Han et Cao Cao au-dessus. Décidément, il me poursuit. Hein. Il me poursuit, Cao Cao, sur tous les jeux, quoi. Je trouve qu'il est prometteur. Après, j'ai pas encore assez joué, là, je suis sur le tuto. Mais je suis intéressé, je suis très curieux. C'est important de tenir à l'affaire, yes. Peter vous tend une petite carte. Que ceci vous aide dans votre combat étranger, merci. Vous apprend que l'officier d'instruction souhaite que vous fassiez connaissance avec le maître d'écurie. Yes. C'est gratuit, c'est free to play. Et en fait, ce qui me plaît, c'est qu'apparemment, on peut jouer avec plein de monde. Et du coup, moi, jouer avec tout le monde, avec les potes du chat et tout, ça me plairait bien. Ouais, c'est une bonne, c'est un bon concept. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, c'est free to play, donc tout le monde peut jouer, quoi. Un bon cheval peut sauver la vie. Maître d'écurie vous assomme de jeux de mots et de calembours au sujet des chevaux. Putain, c'est trop mal, maître d'écurie. Les chevaux, c'est bien. C'est génial, le cheval. Yes. Ça peut se rendre finalement que vous n'êtes pas là pour plaisanter. Il entasse une selle et quantité de harnachement dans vos bras avant de retourner s'adosser à la barrière. L'officier d'instruction dispose d'une carrière juste au pied du château. Allez donc y faire quelques tours pour vous remettre en selle. Et voir l'officier d'instruction. Félicitations, vous venez d'acquérir un destrier. La monture a été amenée à vos écuries. Alright. Ça c'est mon nouveau Nodachi. Voilà, il est équipé. On sauve-conduit, j'y touche pas. Très bien. Tout réparé, y a pas de besoin. J'ai 4 points à dépenser pour le level up. Je vais augmenter ma force et ma robustesse. Confirm. Je suis level 7. Tout le monde peut jouer sauf ceux qui n'ont pas de PC ou qui n'ont pas de bon PC. Non mais après il y a un moment où il y a des limites les copains. C'est comme si tu... C'est comme si tout le monde peut jouer au foot. C'est comme si tout le monde peut respirer sauf que ceux qui sont pas vivants mec. Genre, ceux qui sont pas vivants peuvent pas respirer. Ah, voilà, t'es un peu... Tu les exclus un peu. Il y a un moment s'il vous plaît. Genre s'il vous plaît quoi. Entraînement d'équitation. Êtes-vous prêt? Yes. On me l'a dit. Ah mon dieu, putain, c'est fort. Tiens, crapaud, envoie-moi ton nom. Mon nom? Steam, que j'essaie de t'ajouter. Envoie. Faut que j'avance jusqu'à mon cheval. J'ai mis sur TS. B. Ah, je vous préviens, ça va chier si vous me donnez un cheval. Hein.
Souvenez-vous de Mordo, hein. L'enfer. Top 500 cheval, hein. Yes, j'ai loupé ma première attaque. Allez hop, ça dégage. Comment ça se passe la vitesse du cheval? Ah, t'as demandé sur le cheval. Allez, tu peux sauter avec. Le galop utilise l'endurance de votre cheval. Si votre cheval, vous devrez attendre qu'il récupère. Bray! Bray! Ah d'accord, c'est la jauge. Ok. Et... Pouah, pouah. Oh mon dieu. Super. Super. T'as pas du tout là où je veux. Ah d'accord. En fait il vise automatiquement. Mais putain il vise pas où je lui demande. Non je comprends pas. Je comprends pas où. Tu tapes où en fait? Il tape où ce débile? Mais putain, il tape pas où je lui demande, c'est infernal! J'avoue. Genre, je sais pas oui, où il est en live. On peut choisir. Du côté où tu places la caméra? Ah ouais? Ah ouais? Ah, en effet, j'ai l'impression que c'est ça. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est assez. D'accord, c'est particulier. Oh putain, jetez-moi là. Parlez au garde pour partir ou pour refaire l'entraînement. Yes. Non, c'est bon, j'ai compris. C'est bon. Bon, ok. T'en es où, Cola, du coup? J'ai tout essayé, rien ne marche. Mais t'arrives vraiment pas à l'installer là où il y a sur Steam? Non, il me dit impossible de construire ici. Ou alors copie-colle le dossier Steam sur un autre disque dur. Et installe-le sur l'autre disque dur. Le dossier Steam en entier? Bah ouais. De tout? Bah avec oui, tous les de jeux tout. Non! Juste le dossier du jeu. Et je vais tenter ça. Ça peut marcher peut-être. Eureka. Ah, les solutions à l'arrache, mais moi ça... Ah oh là, c'est vraiment... Ah bah, moi ça a marché. J'ai une quête. Faucheur de paille. On va pouvoir commencer... Ah, j'ai débloqué des paysans métayers. Légion de paysans métayers à débloquer. Vous recrutez, non? Je recrute, oui. Allez voir l'intendant. Il est où? Ah. D'accord, c'est là-bas. Ah, c'est grave pratique, les quêtes. Tu peux cliquer sur la quête et ça te fait aller automatiquement à la quête. Ah putain, s'il y avait ça dans vos classiques, ce serait si bien. Ce serait tellement moins chiant de quêter. Ouais, mais non, ça s'appellerait bien FTA, en fait. C'est vrai, c'est vrai. C'est bien vu. Wow, mais il a une armure lui. Putain, mais laisse tomber quoi. Il y a des joueurs, tu sais. Il y a des mecs, j'ai l'impression qu'ils jouent au jeu depuis 5 ans alors qu'il est sorti il y a 2 jours, tu sais. T'as ton ID, Alpha? Mon ID? Ouais. Dans le jeu? Ouais. Not Zhao Yun. N-O-T. N-O-T. Z-H-A-O. Ouais. Y-U-N. Ah, très bien, j'étais en QWERTY. Yes. Z-H-A-O, yes, Y-U-N. C'est bon. Ce joueur n'existe pas. Ah, mais c'est au top. C'est fou ça. Je sais pas pourquoi on n'arrive pas à s'ajouter. Il y a vraiment rien, tout est pété quoi. C'est trop bizarre. Sinon, ouais, essaye de rajouter Crapo Play, voir si ça marche là. Ouais, je vais essayer. Ça marche pas. Attends, j'assemble des paysans métayers d'abord. Vas-y, vas-y. 1300 pièces de bronze. Où est-ce que je vois ma thune? Très bien. J'ai quand même payé. Mêlée, distance, cavalerie, ouais, y a beaucoup de... Arbre des unités. Ouah, le nombre d'unités qu'il y a! Putain, mais il est fourni leur jeu, en fait. Fauche-fer, prévôt, piqué impériaux. Il y a tant d'unités, c'est dingue. Dans les tireurs, il y a pas des choukonous. Non, il y a des arquebuses. Il y a des hussards et tout, laisse tomber. Ok, ok. Donc, j'essaye de t'ajouter. Crapo Play? Vas-y, vas-y. Ouais, Crapo Play, ouais, vas-y. Majuscule sur le P? K et P, ouais. Ouais, c'est bon. Ah, nice. Ah, t'es niveau 28? Ah, bah, faut jouer un petit peu. Mais t'es si énervé? Je t'ai invité au groupe. Ah, voilà, ouais, c'est bon. Ah, c'est peut-être parce que j'ai pas mis les majuscules aussi. Ouais, je pense que la casse est importante.
T'en es où, Cola, du coup? Tu copie-colle le jeu? Là, je suis en train de l'installer. Ok, ok. Ah, let's go. Non, je sais pas si ça marche, mais ouais, ça s'installe. Si, ça marche. C'est le nom de compte Steam. Non, mais c'est là, on est plus sur Steam. Moi, je suis plus sur Steam, là. Moi, je suis Not Chao Yun et je suis niveau 8. Et je suis pas sur Steam. Très bien. Donc, je dois faire quoi maintenant? Aller voir l'intendant, ouvrir la caserne. Ah, faut recruter une troupe de bûcherons. Super. Bonjour, mon brave. Caserne. Des bûcherons. Des bûcherons niveau 1. Ah, la bonne unité nulle. Adressez-vous à l'officier d'instruction. Hey! Yeah! Attendez. D'ailleurs, attends, comment on fait pour inviter des mecs? Ok, on peut même pas, super. Ah, je peux pas baisser le son des voix, parce que le mec qui fait yeah, 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 tout le temps quand je passe, c'est chiant. C'est les talons du cul. Ah, les Black Borderlands, ici, ça a moins popularité qu'ailleurs. Hop. Allez voir le brigadier. Faut que j'aille voir tout le monde, quoi. Hey ouais, Putain, il est tellement stylé, lui, là. Waouh, il a une armure tellement classe, l'archer, là. Son petit chapeau chinois. Dans la ville, là, d'ailleurs, là. Ouais, je suis dans la ville, je suis dans Alniang. Dans le canal 1. Canal 1, alors attends. Vas-y, je vais aller dans le canal 1. On va voir si ça marche. Parti au combat. Trop tard. Je suis parti au combat. En combat. Il me demandait de partir au combat. Ok. Ah yes, des bûcherons du coup. Bah ouais, hein. On est parti avec des bûcherons à l'attaque. Qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer une forêt? Après, t'as une bonne équipe de boulangers aussi. Ah, mais t'es avec moi? T'es qui? Moi, non. Non, je suis pas avec toi. Ah oui, mais c'est parce que t'es dans mon groupe. Ah oui, c'est possible, ouais. Je crois que je peux pas te rejoindre. Ah, moi, cette équipe de bûcherons extrêmement énervés et tout huilé. J'ai des bûcherons huilés avec moi. Je me demande s'il y a les bonus de charge et tout. Genre quand tu charges dans leur dos, je me demande si ça te fait des bonus. C'est ça, je suis... quoi, ça? Ah non, ça c'est ça. Ah donc c'est... Je suis encore que contre des IA là. Yes. C'est au niveau au 10 début, le PVP Non après, oui, pour arriver quoi, contre autre chose que des IA, ouais c'est au-dessus. Ouais. Ok. T'as le level 10, t'as les batailles rangées, niveau 15 t'as les sièges, et ensuite t'as les expéditions. Les expéditions c'est genre... si tu veux... Je les défonce. Ah du coup ouais, quand tu butes le héros ennemi. Je crois que j'ai fait un double kill sur les héros ennemis. Toute leur troupe fuit. Je suis là. Ah c'est bon, t'as réussi? I mean. Ouais, du coup tu t'es mis sur quel serveur? Europe Ouest. C'est trop bien. Allez, on fauche les blés. Oula. Oula. Oh, je me fais maltraiter. Ah mais il y a victoire, c'est pas grave. Je suis mort mais genre juste à la fin. Apparemment Cola t'as réussi quand Steam est revenu. C'est vraiment revenu Vuseline, parce que tu nous as dit tout à l'heure que c'est revenu alors que c'était pas revenu. Non, c'est pas revenu.
C'est pas revenu, c'est pas au moment où j'arrive à me connecter que ça va être revenu, c'est bon. Laisse-moi tranquille. Hey, c'est bon, je suis dans la ville, Poplé. Yes. Et là, il va me dire qu'il est en bataille. Non, je suis pas en bataille, je t'attendais. Vas-y, tu veux lancer une bataille du coup? Bah attends, je sais pas, là, je suis en train de d'aller avec une... voir une quête là. Je suis toujours sur le 1 là, toujours. Je suis au conquérant, enfin je suis au... Ouais, je suis sur le 2 là. Ah, ça m'a TP. Cura popelé. Massaka, je suis niveau 9, let's go. Ça va super vite. Ultra rapide. Hop, j'ai 2 points attribués. D'ailleurs, je sais pas c'est quoi le level max sur le jeu. Parce que c'est quoi vos persos du coup là? Moi c'est... c'est quoi le tien? Je vais t'ajouter. C'est quoi ton pseudo non, exact? Vos styles de perso, je l'ai pas encore créé. Nodaichi moi. C'est un épée courte bouclier moi. Ouah, mais lui là. Ah, voilà. Regarde lui là comme il est trop stylé lui là. Ah mais lui il a 40€ lui. Ah c'est le skin de l'armure ultra pay to win. Mais c'est juste du cosmétique. On est d'accord, l'argent c'est juste cosmétique. Yes. On est deux pieux mais on défonce. C'est un pay to fast quand même, c'est un pay to fast. Ah ouais, ah pay to fast, ouais. D'accord. Donc ouais. Tu as les bonus d'XP, c'est tout. C'est ça, mais ça sert à rien parce que t'es calé avec des gens de ton level, donc c'est pas grand intérêt. Apparemment le matchmaking est bourré et des fois tu te fais matcher ouais, avec des mecs pas du tout de ton level. Oh, il est trop classe lui aussi. Putain, mais laisse tomber, on est avec les deux généraux de Rome là autour de nous là, ça n'a aucun sens. Ils ont des armures vraiment stylées. On les pète. Ah, j'aime bien les skins d'armure sont bien, tu sais, sont bien exagérés comme il faut quoi. Ouais, le problème c'est ça aussi, c'est que je trouve que bah tu vois t'as ça quoi, voilà, ouais, c'est tout. Allez bisous. Comme ça t'as skins, ça quoi. Bah t'as que deux skins quoi, t'as rien. Ah mais c'est la bêta aussi gros, il y en aura plein d'autres, ouais, des skins comme ça. Ouais mais moi je suis... Non. Non mais t'es impatient. T'es impatient. Je suis un enfant, moi je suis... Du coup ouais, tu t'éco Cola? Ouais. C'est quoi ton pseudal? C'est Bim avec 3 i. Les majuscules sont comment? Full majuscule. Bim! C'est bon, je t'ai ajouté. Je t'ai invité au groupe. Not the union. Et ça y est. Ah bah ça y est, Bim il est là. Ouais, je l'ai invité au groupe. C'est bon, incroyable. Bah skip tous les tutos que tu peux. Dès que t'es en instance, tu peux les skipper, tu verras. Hop là. Moi j'ai une quête là. Officier d'instruction. Tu peux débloquer le personnage? Vous avez débloqué votre personnage, continuez. Oui. J'ai un entraînement IA, faut que tu viennes avec moi, je crois, crapaud, si tu peux. Il faut que je vienne où? Tu peux venir avec moi dans la bataille ou pas? Il y a un temps... Yes. Non, vas-y. Là, t'as lancé un truc, là, entraînement IA, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon. Je la vois aussi. Ok. Voilà, ça va être marrant pour moi. Je vais faire une commande pour chaque question que pose le chat, alors qu'il suffit de lire, on n'est pas rendu... Quoi? Quelqu'un a posé une question stupide? U pour la boutique s'il veut voir. Aha. La boutique. U. F6 je crois. U la boutique? Non, c'est F6 la boutique. U. Cha-ching. Apparat pour héros. Ah, c'est ça les armures stylées. Ah oui, du coup, c'était laquelle la trop classe là? Ah, des apparats pour unité. Ah oui, la cavalerie française, j'aime bien ça. Ah oui, apparat fleur de lys, c'est stylé. Si, grâce à Alpha, il a trouvé une solution de type... De type bricolage. Lame de garage. Bricolo, là. C'était beau. La bataille, J. C'est quoi, 50, 30. Eh, pourquoi ça marche pas? Échec de recherche de groupe. Ah, il faut... Attends, Bib, il faut qu'on te kick. Désolé, Vas-y. Cola. Ah oui, parce qu'il est pas encore... Expulsé. Cette violence. En combat, à la bataille. Non, ça va aller vite, hein. Ça va aller très vite. Oui, tu skips tous les tutos et tout. Après, s'il y en a pour 5 minutes, est-ce qu'on attendrait pas 5 minutes de plus? Non, mais ça va aller. Oh. Ok. Non, je sympa, le chat, il veut du sang, là. Ah, ok. Du sang. Ouais, non, c'est relou pour les gens. Bam, bam. Et t'as fait quelle classe, toi? Épée bouclier? Épée courte bouclier, moi. Épée courte, c'est le guerrier chinois, là? Yes. Ok. Mais pas le tank, pas celui avec l'épée longue. Ouais, voilà. Très bien. Mais après, tu peux choisir ce que tu veux après. T'achètes ce que tu veux après. Paysans. Mais je vais prendre des paysans métayers pour cette bataille.
comme toi. Ah, t'as que des paysans métayers, t'es niveau 28? Ah, mais moi je suis team boulanger, moi. C'est comment les artisans de France avec moi. Je joue artisans de France. Nos artisans ont du talent. c'est quoi que t'as comme unit? Comme moi? J'ai des archers aussi, j'ai pas mal de trucs. Des archers? Ouais, parce que moi je lis paysan métayer là. Hein. Non mais oui, mais parce que là c'est ma première unité, celle-là c'est celle que je balance au début. D'accord. Genre, c'est l'unité que je rajoute avec les mecs quoi. T'as une sélection différente? Ouais, voilà, ouais. Ah, faut avoir plusieurs unités du coup. Exactement. Ah, du coup ils nous là, suivent à pied les pauvres là. C'est les petits pécores que je balance pour mourir quoi. Vas-y crapaud. Light my brother! Let's go! On sait? Ouais, ouais, sur C, ouais. Bah après malheureusement, bon là ça va c'est des bots, mais après tu vas voir tu tombes sur pas mal de débiles. Hein. Comment ça, les de débiles? Ils ont pas encore compris le système quoi. Ah oui. Bah ils foncent tous sur B et puis ils restent sur B et puis ciao. Donc A et C c'est facile à prendre. Ah déjà tu vois y'a personne, c'est pas normal ça. Si ça. Ah si ça y est ça arrive. Ah oui mais oui encore une fois c'est des bots. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il allait se suicider lui. On va peut-être tenter le temps que les mecs arrivent là. Eh, sors de là. Mais putain, je me fais bodyblock, quel enfer! Mais putain de merde! Mais sans déconner. Non, pareil. Non mais c'est insupportable par contre, le bodyblock c'est de la grosse merde. Mais au secours! Ok, il faut absolument que j'ai un spell qui me permette de dodge quand je me fais bodyblock, c'est insupportable. T'en auras après. Ah ouais, parce que là c'est horrible en fait, c'est pas jouable. Tu te fais bodyblock, t'es mort. Aïe. Et donc du coup j'ai perdu tous mes débiles. Ah c'était bien à chier comme premier engagement. C'est pour ça que le premier engage je prends toujours des mobs de merde. Ouais bah t'as bien raison. Ça se passe comment on sait du coup? Pas super ambiance hein. Ambiance non, moyenne. Le body block quoi. Ah c'était horrible quoi. Je pouvais rien faire. Ah bah là ils sont trois contre crouch, moi là. Pour le jeu, c'est bizarre. Je vais galérer là. Essayer de tenir. Faut pas full rush dedans, mais c'est eux qui m'ont rush. Vous êtes rigolo. On perd le point. Reculer. Viens avec moi, viens avec moi. Je prends une position là. Hop là. Attends, parce que moi j'ai pas. Il y a des petits bâtards là. C'est chiant, ils ont pas de nom, c'est pas le focus. Vas-y, je te suis sur le focus. Non, vas-y, on prend lui. Tiens, lui il tombe, allez hop. Ah, je suis désolé. Ah, je suis décédé. Okay. Il est mort. Us. Ah, putain. Hop là. On peut grimper des trucs ou pas? Donc les unités à toi c'est les bûcherons. Non là j'ai pris les archers là justement. Non mais enfin oui pardon, les unités qui sont à moi ce sont les bûcherons jaunes. Yes, enfin c'est ça, les ouais. Unités en jaune. C'est ça exactement. D'accord, yes. Donc jaune à toi. Donc là du coup on fait comment? Follow me. Il y a des points de supply pour pouvoir régénérer ses troupes, c'est ça? Je crois que c'est ça, hein. Les points avec la croix, c'est pour régénérer ses troupes, non? Là, il y a des chevaux. Ça sert à quoi, les chevaux? Rapo? Allô? Yes, pardon. Ça sert à quoi, les chevaux? Les chevaux? Bah, il y a des enclos avec plein de chevaux, ça sert à quoi? Ah non, ça, tu les tues. Ça te file un petit HF. C'est de la merde, sinon. Ça sert à rien, c'est juste de la déco. Ok. Mais ça te file un HF, tu les. Mais ils sont à nous, hein. Ouais mais tu peux pas les prendre. Bah super super leur vie. Combat enragé x10. Bah super, vraiment là la viande chevaline full. Ah, c'est pour faire des lasagnes hein. Ouais. Est-ce qu'ils se heal mes débiles là? Est-ce qu'ils se heal quand je les mets dans le truc de heal là? Changer d'unité? Non mais non. Ils peuvent pas se heal là-dedans? C'est naze. Dommage. Oh ça fout le fil là. On perçait. Ils font une percée.
Oh, ça c'était... Yes, ça c'était une, une blague battlefieldienne qui date. Elle date un peu. C'est cool. Oh, yeah. Ah du coup par contre on a vraiment perdu c'est là. J'arrive derrière là, je suis derrière toi. Ouais c'est bon je les défends. Par contre c'est mort. Pas mourir comme ça. Oula je prends cher, je vais me heal. Hop, qu'est-ce que tu fais toi là? Ah j'ai plus que 5 PEGU. Ouais c'est rien ça. Ah toi, mais comment, comment on les régène les PEGU? Tu vois les croix là sur la map, les croix. Bah j'y suis allé mais ils sont pas heal quand je suis allé dedans. Non ça les heal pas en fait, tu rappelles une unité, tu rappelles une autre unité à toi. Et tu peux pas sur les régènes, tu peux pas les restes, tu peux rien faire. D'accord ok. Donc là du et coup après, je vais aller... Ah bah ils sont beaux. Après en fan game t'as le droit à 10 unités je crois j'ai l'impression. C'est pas mal quand même. Ah ça les soigne mais ça reste pas les morts du coup a priori. Ah ça les soigne. Ah d'accord ouais. Je savais même pas que ça les soigne. Interesting. On a victory victoire et... Putain contre les bots c'est vraiment dur. Bah ouais ouais là pour le coup les bots c'est pas... on a une bourse d'argent en cuir contient quelques pièces d'argent ouais. Ok. Très bien. T'en es où quoi là? Là je suis en train de faire la bataille qui va finir le tuto. Mais là tu peux la skip hein. Fuir la bataille. Passer le didacticiel. Yes. Tu peux tout skip en fait. Eh bah victoire. Belle là, c'est victoire. Un B, hein. C'est clairement un B. Ah non, c'est clairement un B, on est d'accord. Mais en plus c'est pas une typo ça, c'est vraiment ça. Quelqu'un qui... Ouais ouais, c'est une belle cursive pour c'est un pas B. Une faute de c'est pas une faute de frappe, c'est vraiment quelqu'un qui a écrit... Mais sur le clavier, V c'est à côté de P. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais ça me paraît énorme en effet. Hop là, ça c'est bien ça. Oh là, j'ai plein de quêtes là, j'ai peur. Caisse d'artillerie descente. C'est quoi c'est? Grossir les rangs, à faire. Piquer sont redoutables. Contre l'infanterie équipée de boucliers et d'épées courtes, les piquets sont redoutables, pardon. Les piquets c'est plutôt voir contre la cavalerie, pas contre les infanteries à épée. Ouais mais ta gueule c'est magique. Ouais. Archer de milice, c'est bien ça. Ainsi se termine la leçon. Ok. Ah donc ça c'est d'ailleurs, les quêtes que j'ai accès. Faut que je refasse des mecs. Je suis level combien là? Je suis level 10 là? Yes, ouais, ça y est, je suis niveau 10. On peut faire des batailles rangées, ouais, si tu veux. On peut partir à la guerre. La guerre. Domaine. T'as dépensé comment tes points de skill, toi? T'as dépensé comment tes points de personnage? Ouais. Bah après, tout dépend de tes techniques, tu choisis les techniques que tu veux. Non, non, moi je parle surtout des points de strength, agility et tout. Ah, moi j'ai mis recommandé. Ah merde, j'ai pas du tout cliqué là-dessus, moi. Je vais me recommander, de toute façon après t'as moyen de les... T'as des bouquins pour les réinitialiser, donc je le ferai à Shell, je pense. Il est où le mec qui me file les techniques? Tu peux apprendre des techniques, non? Yes. C'est l'intent... attends, non. C'est quoi la touche? Attends, merde. Bouge pas, je te dis ça. L'intendant. Non, c'est non, le c'est maître d'armes. Non, c'est pas l'intendant, ouais. C'est le maître d'armes. Non, oh, c'est bizarre. Ouais sinon c'est P, t'appuies sur P. P? Donc, par défaut c'est... Ouais c'est P. Non mais ça c'est pour les... Moi je veux apprendre des nouvelles techs en fait. C'est-à-dire des nouvelles techs? Ah j'ai pas besoin de parler à un mec? Ah non t'as pas besoin, non les mecs d'accord. C'est vraiment que du décor, ça sert à que dalle. J'ai sanguinaire. Appris ça quelques temps, ça sert à rien. C'est très longtemps? C'est bien ça. Inébranlable. Débloquer... Débloquer des petits points. Charge. Ah non, c'est barricade. Putain, le con, je me suis quoi de sort. Oh le débile. Mon dieu, quel abruti. What the fuck. Lame monstrueuse. Oh, ça me plaît bien ça. Hop là. Rechargement. Ça va vous permettre de drainer la santé de votre adversaire pendant 10 secondes. Oh oui, oui, oui. Ah, ça c'est très bien ça. Il me faut ça. Ah, il faut que je débloque des trucs pour. Donc débloquer. Ah, je peux pas. Ah, je dois d'abord débloquer ça. Ah, et ensuite je dois débloquer ça. J'ai pas assez de thunes. Utiliser des points de technique. C'est quoi ça? Votre région, c'est Maoyang, c'est ça? Ouais.
Let's go, enfin. C'est en participant à des batailles au monde. Pour apprendre des techniques de votre choix ou apprendre à manier de nouvelles armes. Ça, alors, il y a deux. Crapaud ? Yes. Il y a deux monnaies. Il y a la monnaie argent et la monnaie or en bas pour débloquer des techniques. Or, or c'est le. Ah non, ça c'est les points de. Attends. Ça s'appelle comment la monnaie or là ? C'est laquelle que t'as ? J'ai des points de technique. Et points de maîtrise. Pas de conneries, quand tu vas voir le maître d'armes, c'est pour t'acheter des nouvelles armes. Attends, je regarde si ça, c'est ça. Ouais, les points de technique, c'est pour t'acheter les nouveaux arts martiaux. Vaut mieux que je les gagne. Vaut mieux que je les garde. Bah normalement, t'as pas à les dépenser, sauf dans ça. Donc normalement, tu les dépenses pas. Bah non, mais là, je peux dépenser des points de technique en fait pour venir acheter une compétence qui coûte 50. Ah ouais. Ouais. Attends, je regarde. Moi, je m'en suis justement, je crois que je m'en suis jamais servi de ces trucs-là. Améliore tes skills. Ah, ça y est, j'ai amélioré des skills. Ah, parce que tu peux améliorer les skills. Touches, je me perds dedans, c'est horrible. Ah, il y a beaucoup de choses, hein. C'est quand même sacrément blindé niveau contenu, niveau choses à faire évoluer. Ça, c'est quoi ça? Non, réellement, pour l'arbre, c'est des points de maîtrise, seule chose qui faisait mal à la cavalerie, c'est les archers. C'est faux. Les piquiers qui étaient en position d'attente, la cavalerie pouvait pas s'en approcher. Mais en fait, c'est pas eux qui. En fait, c'est juste qu'ils empêchaient la cavalerie d'aller où elle souhaitait. Mais la cavalerie ne craignait pas uniquement les archers. Mais vous gardez pour dévoiler les nouvelles classes. Parce qu'il y a d'autres classes après ? Bah en fait, t'as toutes les tatous là, tu sais, par exemple, Lato, t'as pris une katana, mais après, tu peux prendre comme moi le bouclier et l'épée, quoi. Ouais. Tu peux tout prendre en fait à la fin. D'accord, ok. Waouh, il y a des techniques au katana qui sont insane. Ouais, tiens, Slayer, ça aussi. Nodashi. What the fuck, il y a même un kanji qui apparaît à la fin du combo, quoi. Full Wibri. Saut du dragon. What? Ok. Ok, moi je suis là. Nice. Je vais t'inviter. Je suis dans la ville. I'm in the city. In the city. Il faut que t'ailles dans la ligne 2. Yes. Je suis ligne 5, ok. Après, si on t'a en ami, normalement. Bah non, mais là t'es même là, donc là on s'en fout là. T'as juste à lancer le combat. Tu attends, bah je vais aller le faire. Attends, je vais voir Bim. Il est où ? Rencontre les panzers les plus raids de ton département en envoyant canon en 8-12-12. Quoi ? Eh ? Drôle. Y'a un mec qui a mis ça dans le chat ? Ah merde ! Dans mon chat. Tiens, tu vois en bas à droite, The Han Dynasty is recruiting new members. Join us in our quest to seize all under heaven. Le mec de Cao Cao. Alors, t'as pas de cheval ? T'es nul. D'où t'as un cheval ? En vérité, on va faire une bataille contre IA et en attendant, fais toutes les quêtes qui restent parce que toutes les quêtes, elles vont te permettre d'avoir un cheval et tout là. C'est rapide à faire honnêtement. Juste, tu vas là où ils te demandent de parler. Donc en fait, on va te kick du groupe encore. Yes. Et on va lancer une bataille en attendant. Super soirée. Super. Hop. Sympa. C'est pareil, pour rentrer dans les maisons, faut que tu sois level 12. Y'a pas encore le wipe sur Rust, donc ça va. Vous avez un serveur d'ailleurs sur Rust ? Pas encore, on avait trouvé un serveur le même que le tien, ouais, le serveur FR. Ouais, celui-là, ouais, la baguette vanille là. Sacrément en vrai, ce serait cool de trouver un serveur où on peut faire un espèce de clan énorme. Je serais archi chaud. Ouais. Il avec un milliard d'abonnés qui viennent. Là, on va tenter du PVP pour la première fois, du coup. Yes. Je sais pas ce que ça a donné. Hein. Bah franchement, des fois, tu te demandes si c'est pas des bots aussi. Hein. Avec toi. Ouais. Soit avec toi, soit contre toi. Et plus souvent avec toi que contre toi, évidemment. Ouais, plus souvent c'est avec toi. Non, c'est ça en fait, moi qui me frustre, c'est que ça ressemble beaucoup aux batailles d'Arati de WoW. Et les gens sont très bêtes sur les batailles d'Arati. Ouais. Et pourtant c'est pas compliqué hein, comme strat. Hein. Merci, raconte un power. Ah bah merde, putain ça me mute pas, c'est chiant en fait, ce jeu il a un raccourci à la con et... Merci Ragonda Power pour les 10 mois de resub, merci à toi.
Néa pour les 14 mois aussi, Better Call Saul pour les 7 mois. Putain, jeu Overwatch, c'est le tilt, quoi? Comment ça? Merci Oh My God pour le Prime, bienvenue à toi. Cos My Noob pour le Prime. Monster Inc, merci à toi aussi pour le Prime. Vuseline pour le gift de sub à Moobot. Bah bravo, Vuseline. Ah bah bravo, un gift de sub à Moobot, super. Vraiment. C'est vous le PP? Voilà, une quête pour le personnage en mode P2. Non, y a pas vraiment une campagne. Mais t'as du match contre du bot, ouais. Merci Luria aussi pour le Prime, bienvenue à toi. Dex Junior pour les 3 mois. Fleu Chapeau pour les subs de 3 mois. Batoche pour le Prime. Gladioris pour les 200 bits. Exidium pour les 32 mois. Yes, 32 mois, mon Alpha. Très content que tu aies repris la Yes Live. Par contre, directement, ça me redonne envie d'acheter un casque. D'ailleurs, peux-tu me dire si le fil du casque, c'est réellement pénible ou pas? C'est relou, mais tu fais avec. Voilà. Merci Oliraf pour le T1. Benny Nobs aussi pour le Prime. Karate Kid pour le Prime. Léo Lio pour les 10 mois. Elwolver, merci à toi aussi pour les 3 mois. Scard pour le Prime, bienvenue Scard, merci. Shooterfly pour les 1 an. Je crois que je t'avais déjà remercié, mais merci encore. C'est la bataille. À la guerre. À la bataille. En avant. T'as commencé à enchaîner les quêtes du coup, Abim? Ouais, ouais, là je suis en train de monter sur mon cheval. Ok. Normalement ça va vite en... Ah oui, tout le monde est level 20 plus. Yes, let's go. Bah ça, c'est à cause de moi, ça, pour le coup. Ah, vas-y, c'est chiant. Non, non, en vrai, non. Ah, vas-y, c'est chiant, j'aurais dû jouer tout ça. Je jouais avec des gars et j'ai déglingué du level 30. Ah, vas-y, c'est relou. Mais non, commence pas. C'est ça le problème dans ces jeux, là. Quand tu joues avec quelqu'un qui a déjà joué, t'es matché, et c'est relou, parce que tu vas tomber sur des gens qui sont meilleurs que toi. Mais non, ils sont pas meilleurs que toi. Bah, mais je te suis, hein. Je supporte. Supporto. Mais oui, mais tu vas voir qu'il n'y a pas besoin. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Tes unités, tu les mets toujours en mode follow avec toi? En vérité, j'aimerais bien des archers, non, quoi. Non, moi, moi, ça dépend. Quand je suis sur le point, je les dispose pour me défendre. Okay. Sinon, je les mets en mode follow, tout dépend de la situation. Ouais, parce que si tu joues dans ton stack d'unités, tu peux pas te faire cycle, quoi. C'est ça, ouais. Mais par contre, tu peux aussi bully des mecs si tu mets ton unit dessus. Ouais, ouais. Mais tu les fais se déplacer sur le mec ou tu leur mets juste l'ordre d'attaquer? L'ordre d'attaquer. Ok. Ça, et tu peux leur dire qui attaquer en particulier? Non. Eux, ils vont juste bully tout ce qui bouge. Attaque! Vas-y, go. Allez, par ça. Je te suis. Mais franchement, je te dis, le level, tu vas pas le sentir. Tu vas les démonter tout pareil. Là, je vais me prendre une flèche de l'autre bout de la map, je vais mourir instant. Tu vas pas le sentir. T'es mal, je peux plus respirer. Là, tu vois, en général, je les place devant le point. Et je fais mon. Je fais mon petit chef derrière. Y'a un régiment qui arrive. Yes. Vas-y, go B là. On va aller reprendre B. Ah non, y'a un mec qui arrive. Y'a un mec qui arrive. Il arrive derrière toi. Combat engagé. On va lui démonter. Qu'est-ce qu'il fait? Fais lui. Oh, lui il est pas malin lui. Reste là toi. Bon, très bien. Fais gaffe. Attends. What the fuck, j'ai déjà pris tellement cher. Ouais, ouais, c'est, y a les unités, faut pas les prendre à la légère. Hein. What? Aïe aïe aïe, putain merde. Body block. Ah bah je suis mort. Ah merde. Un autre gars est arrivé. C'est lui qui est revenu sur moi en fait? Ouais, c'est lui qui. Ah ok. J'ai du mal à ici. En fait, les unités font trop mal quoi. Ouais, les unités, faut pas les prendre. Tu peux pas rester dedans. Hein. Ah ouais, c'est une scène. Il est dedans, il est démonté en mode Dynasty Warrior, hein. C'est pas du tout. Là tu vois par exemple l'ennemi c'est ce qu'il fait là. J'arrive hein. Il va se faire béton lui. T'es toujours en A là? Ouais, là, toujours. Je suis en train de tuer celui qui t'a tué là. J'arrive moi, pataclop, pataclop, pataclop. Pataclop, pataclop, pataclop. Et voilà, c'est bon, il est mort. Joué. Au revoir. Et joué. Et là normalement ce que tout le monde devrait faire c'est défendre des points et ciao quoi. Je vais défendre B. Ou je reste avec toi. On peut aller sur B là, ouais. On va aller sur... Mais même moi je vais aller sur B là. Il y a trop de monde là. Ah tu peux même aller sur C parce que je crois qu'il y a personne sur C. Je reprends le point. D'ailleurs c'est ce que je vais aller faire. Ah.
Oh, y'a masse archer là qui monte. Au combat! Ok, je reprends C. Là par contre on perd B. Ouais, je suis en B là. Je me fight tôt là. A mon avis ça a bouché sur A. Ok, nice. Mais ils sont où mes fucking bûcherons? Ils sont là. Mais pourquoi eux ils ont des épéistes et moi j'ai des fucking bûcherons aussi là? Ouais, c'est... Et là ils ont surtout des archers là, j'ai déglingué des archers. C'est un enfer. Secours! Aïe aïe aïe, mon cheval est dead. Ah oh, les archers c'est tellement... Allez mange. Ça m'a l'air très spammy les fights hein. Yes yes yes. Après, tu peux à l'aide hein, là vraiment à l'aide hein. Je suis full encerclé. Ouais non mais là il y a trop autour de non mais toi, c'est un peu... Vie, oh là là, par contre les combats vont me faire rager je sens. Genre ça m'a l'air ultra spammy, c'est à celui qui spam en premier son attaque, j'ai l'impression qu'il y a aucune technique. Si après tu peux mettre des dashs hein, les dashs ça te permet de t'en sortir. Bah je dash mais honnêtement à part ça... Je vois pas trop quoi, ça m'a l'air assez beau hein. J'ai quasiment plus de pégu. Ah j'ai changé d'unité là parce que là c'est la merde. Faut retourner caper, je vais caper A moi. Hop là. Y'a pas de contre sur A. Ouais, y'a pas des contres. J'avoue que ce serait bien des contres. Si normalement avec le clic. Ah. En position défensif. Archer là-bas. On va pas vite retourner jouer sur le point là. Ah y'a elle qui joue dans ses phalanges. J'arrive avec des archers là. Tu vois, la phalange. Allez, y'a plus de phalange. Une salade. Mais putain, mais comment elle fait? Allez hop là. C'est bon, je l'ai eu. GG. Comment ça, aider? Putain, et tu me suis fait KS le kill, je le déteste le mec. Ouais, c'est moi. Ah bah, je te déteste, voilà. Je te déteste, cordialement. En vrai, je voulais absolument pas le prendre. Je pensais vraiment que tu l'as tué. T'es un petit bâtard, voilà. Et c'est ce que j'aime bien. J'ai juste un coup. Je te jure. Faut que je me heal. Rip le dada. Ah oui, les dadas, ils meurent. Ouais, quand les dadas sont morts, à part si t'as une deuxième monture, ils sont morts. Bah moi, il est pas mort, mon dada, là. Ouais, comment je vois sa PV avec nous, là. Ah, il est mi-life, je crois. Ils ont repris B, j'y crois pas. Ouais, il faut aller le reprendre. Waouh, la 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 loco. What? Mais lui, c'était... Mais lui, c'est un ninja, lui. Ouais, tiens, allez, boum, il est par terre, le ninja. Hey, reviens là, le ninja. Non, mais ça va aller, là. Règlement de compte. Ah, je l'ai tué. C'est moi qui l'ai KS cette fois. Mon frac, parfait. Oh putain! Ouh! Non mais que les archers ça fait trop mal! Ah oui, les archers ça fait beaucoup trop mal d'ailleurs. Ça j'espère qu'ils vont les nerfs. Oh là! Votre cheval est mort! Merde! Ah bon bah toute mon unité est morte, moi aussi. La hype! La ripance! Je vais recapser solo. Je suis un fou. Je suis seul, hein. Je suis seul au monde. Hein. On perd la game là? Évidemment on perd la game. Bien sûr qu'on perd la game. Comment on aurait pu gagner la première game évidemment? Ah, tu mets du négativisme de ouf. Les remontadas dans ce jeu c'est violent. Hein. Tu peux faire des remontadas. Ah tu peux faire des grosses remontadas. Ah, c'est moi cool, je perds des 600 à je sais plus combien là. À 1002 et je mais par contre gros, sans cheval je fais comment? Je suis niqué en fait. Ah bah ouais comme moi là je marche. Ah ouais. C'est pas ouf l'ambiance hein. Est-ce que je peux contrer?
Est-ce que je peux compte? Ok, ça m'a l'air d'être... Oh mec, ça va me faire rager. Ça, c'est ce qui va me faire détester le jeu, en fait. Essaye de back, essaye de back. Mais j'essaye de back, gros, mais genre, ah, c'est... Si vous pouviez attendre que je vous rejoigne pour commencer à détester le jeu. Ouais, bien sûr. Oh, bien joué, ça. Vas-y, on lui démonte sa grosse. Oh, il va tellement nous détester. Ah putain, là, il est en train de péter son clavier, le mec. Ah putain. Viens là. Voilà. Et hop là, chais. Et voilà. Ah putain, il doit être deg. Oh putain, on l'a gang up comme des gros enfoirés, le pauvre. Attention, par contre, ça revient là. Ah ouais. Attends, je me heal. Ouais, ça revient derrière. Ah, y a mes clic droit parade, ça ne marche pas en fait. Je fais clic droit, ça ne marche pas. Ça ne fait rien. Je m'en vois comment ça marche. Non, mais feu. Oh, putain, ils ont démonté mon unité. Vas-y, hein. Ah, ils sont plusieurs. Je te regarde. J'arrive. Ah, ouais, ils sont trois, gros. Mourir. Ils sont trois, gros. Je suis pas bien, là. Je me casse, en vrai. En vrai, je me casse. Ah oui, il y a des dégâts de zone et tout. Je vais les laisser prendre C, comme ça je vais pas faire perdre de points à mon équipe. De toute façon, on a pris B là. C'est bon, on prend B et là ils sont deg, là ils sont méga deg. On les démonte là, tu vois. Je peux pas leur faire des wads de loin comme ça pour les mettre les rendre deg de ouf. Eh ben alors, on est nul. Là, tu vois, ils vont tous partir de C et moi je vais arriver là. Hop là. Attends, t'arrives par où? Ah oui, je te vois, je vais avec toi. Bah par contre, s'ils prennent B et qu'ils nous overpower en B, on est pas bien. Non, parce qu'on a pas perdu A, donc après on va prendre C, on aura 2 points. Donc je me cache dans un tipi. Fais gaffe, y'a un mec devant là. Ils hésitent là, ils regardent, savent pas trop. Ils savent pas trop là, ils sont tiraillés. Ils sont tiraillés là. Y'a des chances qu'ils aillent en A. Hein. Non, là ils arrivent sur moi là. Mais t'es seul tout. Ah non, il a back. Ouais, c'est pas grave. Merde, je peux pas monter par là. C'est dégingue. Vas-y, je vais reprendre C là. Ok, c'est bon, j'essaie. Voilà, oh, il s'est fait défoncer lui. Tagging. Et là, il repère A, mais on a pris C, donc c'est bon. Ah, par contre, on perd B, là, c'est pas cool. Là, faut aller sur B. Jouer sur le point. Hein. Ah, il y a masse archer. Putain, mes cours. Ah très bien. Ah vas-y, erreur. J'aurais tellement pas dû faire ça, idiot alpha. Aïe, je me suis fait cycle par ces bots. C'est pas ça. Cette partie m'emmerde. J'ai plus de troupes. Et en fait, quand t'as plus de troupes, t'as juste plus de troupes, quoi. Tu peux rien faire. Ouais, mais je te dis, ça c'est pareil, c'est le problème de 1 ou 2 levels et après t'en auras plein. Ah bon? Après tu vas commencer à en faire plein, et moi là tu regardes, j'en ai déjà 6 ou 7. Votre cheval est mort. Ouais, moi je suis pareil, ça par contre c'est relou ça. Ça c'est le seul truc qui est votre cheval est mort, chez à vous. Je retourne en C moi. Ouais, j'arrive, je suis derrière toi. C'est chaud là, ils peuvent come back, hein. On est dans la merde. Non mais t'inquiète, j'ai les boulangers avec moi là. Mes boulangers ils sont très chauds. Ah mes boulangers. Oui. Ils sont beaux. Boulangers. Leur petit de fourche là. En vérité, j'avoue, c'est chiant de jouer contre des mecs en full troupe quand moi je suis à poil, quoi. Genre ça me gave. J'aimerais bien commencer contre des mecs niveau 10 aussi, en fait. Ah mais ça par contre, ça arrivera jamais. Hein. Ah bon? Moi quand j'étais level 10-12, je jouais contre des mecs level 30. Hein. Nice. Ah ouais, non, c'est... Ah non, ils capent... Ah mais putain, mais nos troupes, mais nos mecs font quoi là? Battez-vous. Ah, y'a un mec là, qui vient nous voir. Yes, vas-y, on va le bully. Attends, laisse-le venir, attends. Ah, lui, il aime bien fuir. Non, mais c'est bon, il va chase, laisse-le chase pas. Et ils reprennent en haut là. Ah, sérieux? Ah, c'est vite! Oh, le petit bâtard, il est arrivé dans mon dos. Ah, what the fuck, qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais, on a gagné. Victoire! Victoire! Le verlet cache les scores. Ah, c'est chiant. J'ai une salle des coffres découverte. On requiert une clé des coffres. Ouais, sans prévenir. Ah, les petits bâtards, ils veulent que j'achète le truc sans même. Non, j'achète rien. Je ne dépense pas.
J'entends un souffle extrêmement... Ah yes, j'ai juste une petite arme, nice ça. Victoire, monseigneur. Tu peux avoir plusieurs chevaux. Ok, ok. Ah, parce que j'avoue, quand tu perds ton cheval, t'es là. Bon bah, très bien. Très bien, très bien. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, du coup, j'ai looté un petit katana. C'est pas mal, ça. Avec les quêtes et dos, t'as plein de trucs qui arrivent. Ouais, j'imagine qu'en fermant les quêtes, t'as plein de trucs. Voilà, normalement, j'ai complété des quêtes. Ouais, moi, pareil, j'ai complété des quêtes. Niveau 11. Disponible. Non. Alors, on, c'est bon, du coup, t'as fait tout ce qu'il fallait faire, Cola? Ouais, ouais, là, je suis dans une bataille contre l'IA, je me fais éclater. Ah bon? J'ai plus d'unité, c'est pas mal. D'ailleurs, moi, je vais passer, du coup, sur la prochaine map. Ah, j'ai 115, je peux débloquer ça. Du coup, vous avez fini, vous? Yes. Ouais. Vas-y, bah, je fuis. Non, mais finis la bataille, sinon ça va pas te faire la quête et tu vas pas level up. Il faut que tu sois plus du niveau 10. Bon, puis on peut en faire une petite... Ah, il faut que tu passes niveau 10. Bon, moi j'ai débloqué la soif de sang, je sais pas ce que j'ai débloqué. L'âme monstrueuse. Quand j'active ça, ça draine la santé de mon adversaire pendant 10 secondes. Chaque frappe réussie convertie en votre faveur 20% des dégâts subis en points de santé. Bien ça, ça c'est bien ça. Là, mais j'avoue que j'ai pas compris comment la parade marche par contre. Bah ça pareil, c'est le truc qui est un peu, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est en gros, quand ils commencent à t'attaquer, c'est la merde. Et ça c'est ça que je trouve un peu débile. En fait ça m'a l'air tellement laggy et les mecs se TP à moitié en et les moment, animations ouais. sont pas claires. Ouais, du coup je sais pas du tout en fait, genre juste d'un coup le mec se TP, je comprends rien. Je vais tester le katana là comme ça. Voir ce que ça donne. Ah parce que t'es pas obligé du coup de garder la même arme tout le temps, tu peux changer. Non c'est ce que je te disais en fait, les arts martiaux tu peux les apprendre, tu peux tous les apprendre. Ouais mais faut avoir assez de points quoi. Ouais mais 100 ça va vite quoi, ça va vraiment vite, là j'en ai déjà 3 là, j'ai l'archer, le katana. Et du coup y a pas moyen de récupérer ces troupes Si elles sont mortes, non, c'est dead. What? Ouais mais c'est okay. Comme je disais aussi tout à l'heure, c'est en gros après t'auras 10 unités donc vraiment t'auras mourir 10 fois bêtement. Ah ok je vois. 10 j'ai, un truc, ouais. J'ai un truc qui me coûte 40, ça fait dégâts infligés plus 1%. C'est pas fou hein. Nice. C'est pas fou. Sanguinaire alors, style. Caserne. Contre la vie ça remonte tellement doucement quoi. Mais c'est pas du pay to win les potes, c'est du pay to fast et pay to skin, mais c'est pas du pay to win. Donc des mecs peuvent payer pour level up plus vite, mais tu débloques pas des levels et du stuff avec de l'argent. Victoire, c'est bon j'ai fini. Bien joué. Je t'aime vite. Pom, pom, la, pom, pom, pom. Mais t'es pas niveau 10? Ah, en rendant la quête, tu vas peut-être level up. Ouais, ouais, je suis quasiment niveau 10. Faut faire des armées. Ah oui, j'avoue, comment j'en achète des nouvelles? Crapaud! Comment t'achètes de nouvelles armées? Tu vas avoir l'armurier pour unité. L'armurier? Ouais, pour unité, là, qui est tout à droite de la map. Ok. Loin de la capitale. Là tu lui parles, tout ça, tu lui dis salut, je voudrais des nouveaux gars. C'est l'intendant tu veux dire? Non, je suis niveau 10. Pour unité c'est là où je suis. Nice. Hein. Ah mais ouais mais on n'est pas sur le même au top. Attends, c'est quoi là? Attends, c'est quoi le raccourci là? Putain c'est chiant. Arme des unités. Milice rurale. Elle non c'est pas ça. Ah j'ai débloqué la milice rurale. Ah c'est U. T'appuies sur U et il y a arbre des unités. Et là, tu te fais plaisir, quoi. Il y en a un paquet. Oui, mais bah c'est bon, je suis dedans là. Et après, tu vas dans la caserne, dans le premier onglet, et dans la caserne, tu les recrutes. Ok, et je les recrute. J'appuie sur plus. Ouais, t'appuies sur plus, tac, tac, tac. Tu regardes tout ce que t'as, tu cliques sur ce que tu veux, et après, tu fais assembler. Je les vois pas là, en fait.
Genre j'ai débloqué les milices rurales, mais là je vois juste les paysans métayers et les bûcherons. Alors attends. Moi, comment se fait? Ouais, moi aussi. Los bûcherones. Non, bah non. Ok, t'as panda. La milice rurale, normalement elle devrait pop. Et dans ton arbre des unités, tu l'as bien... Ah oui, au milieu, au milieu. Ah oui, j'avais pas compris l'interface. Ça coûte 1300... Comment je sais combien de gold j'ai, là? Ça me coûte 1300. Tu fais P, et tu vois ton... Tu y as marqué inventaire à droite, et en dessous, t'as tout... Ah oui, j'ai 4108. Ça va. Ça va, ouais. Ça va. Après, je te dis, là, c'est pareil, j'ai 53 000, ça va vite, hein. Donc, milice rurale. Ne plus demander, ouais. Ok. Et alors du coup, eux là, les bûcherons, ils sont... Les petits méchants. En fait, les unités que t'as perdues pendant la bataille, elles se reforment après ? Yes. Après, toutes les batailles que tu relances, elles sont ah, donc là, en gros, tu peux acheter quelques stacks et ça suffit, quoi. Et c'est ça, voilà, ouais. D'accord, et ok, et au pire, si à un moment t'as un souci, ils vont te le dire et t'auras juste à repayer et ça sera bon, quoi. Ok. Vous ne pouvez pas envoyer une unité de la même catégorie au combat. Quoi ? Eh ? Oui. Je peux pas avoir des archers ? Si, normalement, tu vois, t'as caserne, t'as mêlée, distance, cavalerie. Donc dans distance... Ah oui, tireur. Mais pareil, dans les armes... Ah non, j'en ai pas unlock encore. Ouais, il faut que tu les débloques d'abord. Archer élémentaire level 1. Faut que j'aie de l'archerie. Requiert air sombre. Tac, ouais, c'est les airs. Normalement, quand tu vas... Lancer la recherche. Ah, faut que je lance une recherche ? Yes. Vous avez débloqué archerie élémentaire. Ah bah let's go. Voilà. Et là après, du coup... t'as juste à faire ça. Et je peux les débloquer du coup les archers conscrits. Putain ça fait on dirait Age of Empire. Et sinon j'ai archer de la milice. Archer conscrit, ouais moi aussi il faut que je les chope. C'est mieux archer de la milice que archer conscrit, non? Alors là je te dirais pas parce que je les ai pas encore. Et après pareil tu peux créer des... T'as des armes, des pactages. Ah il requiert. Et ça faut farmer des... Bah du cuir, du coton, du fer, tout ça. Du queer. Queer. De queer. Et ça tu le farmes sur la map en te baladant. Dans toute la région. Il faut débloquer l'air. Ouais normalement l'air c'est pareil, c'est ce que je te disais, c'est en bas. Tu vois, quand tu es dans ton arbre des unités, tout en bas, la dernière ligne, genre. Ah oui, air féodal. Air sombre, air féodal, air de chevalerie, tout ça. D'accord. Et comment je la débloque ? Normalement, c'est quand tu passes au-dessus, il doit y avoir des prérequis. Et ils te disent les prérequis qu'il faut. Non, moi, il y a écrit que c'est débloqué. Hein. Ah, bah alors, qu'est-ce qu'il te raconte ? Qu'est-ce qu'il faut que tu débloques ? J'ai débloqué. Vas-y, je vais prendre les archers de la milice. Hop, nouvelle recrue. Et là, caserne. Let's go, archer de la milice. Caserne, voilà. Et les archers, sincèrement, c'est OP en ce moment. Quoi ? Si genre, Cola, toi, moi, on prend des archers, on les cale dans un coin, on se met devant, on les protège, ils font un carnage. Nani, attends, quoi ? Il me demande un truc, là. Assembler, il me demande un item. Yes, il leur faut des arcs, en fait. Mais j'en ai un, moi, de trucs d'arc. Ah, putain, non, c'est pas le bon. Normalement, j'en ai. Quête, file, hein. Ah non, mais c'est une quête. Ah oui, mais je l'ai pas fini, je crois, la quête. Ah bah voilà, faut que tu la finisses d'abord. Normalement, je crois que la quête c'est tuer un certain nombre d'archers dans une partie. Armurier pour unité. J'ai 18 archers pendant une bataille. Yes. Ok. Bon, ça roule. À la bataille ! À la bataille. À la bataille. À la guerre. À la guerre ! Il y a des expéditions. Former un groupe de 5 héros et affronter puissants ennemis. Ça, j'ai jamais fait encore. Ça, j'aimerais bien tester. Ok. Mais pareil, faudrait que... Bah attends, je crois que c'est level 20, je crois, minimum. Ouais, c'est level 20, ouais. D'ailleurs, tenez de somptueuses récompenses. C'est quoi, c'est du PVE, les expéditions ? Ouais, c'est du PVE, apparemment. Mais du PVP apparemment assez touchy. Hein. Faut y aller quoi. Je crois comme ils sont motivés là, niveau de l'entraînement, les deux là. Regardez comme ils se la donnent. Stabby. Stab. Slash. Slash. Stab. 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 Slash. 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 Je fasse. Incroyable. Pour réparer, j'ai le casque.
Bah fichier, il est magnifique ce casque, incroyable. Le casque okay, est tellement fort qu'il me met une perruque en même temps, c'est génial. Super. T'avais pas de cheveux, tu mets le casque, t'as des cheveux. Putain, y'a une guilde qui s'appelle Sombra. Bah c'est la guilde de Zvo. De Zvonimir. C'est qui Zvo? Sombra. Zvonimir, le streamer Star Citizen. Ah. Oh. Oh. Oui, je suis avec vous. Ah mais mon cheval il est mort. Isabelle Claire. Mon cheval il s'appelle Isabelle Claire. Non mais il va repop à chaque game. Ok. Ah, c'est bien ça. Je vais peut-être changer de... Attends, moi je vais pas partir avec... Je vais partir avec... Avec qui je vais partir moi? Allez boulanger, allez let's go. Mes paysans, suivez-moi. À l'attaque. T'as combien, t'en as combien le fait? T'en as juste deux des groupes de trois. J'ai acheté aussi des pégus avec des lances. Ah c'est nice. Bien les petits pégus avec des petites lances. Mais là je suis full fourchman. Enfin la baston. J'ai des fourchman. Calorique. Moi aussi j'ai des fourchman et j'ai des hashman. Des bûcherons. Non mais nous on est des villages. Nous on va juste récolter des ressources. Ah oui nous on va farmer. Bûcherons. Oh non les enfoirés. Bah, alors pas le temps de cliquer. Ah ouais, on voit. Ah ouais, il y a que des levels. Ils ont métaillé. Non, tu vois en face, il y a des levels 11 aussi. Chills, il faut le focus. Il y a un level 11. Ouais. Arquebuse, il va nous buter avant qu'on atteigne au corps à corps. Oui. Non, ouais, je suis pas persuadé que si vous partez tout seul, vous allez tomber quasiment contre les mêmes teams, je pense. Attaque moving. Parce qu'une fois que tu passes le level 30, apparemment, tu tombes contre des levels 100 et quelques. Comment ça attaque? On va où c'est? Ouais, c'est, vas-y, go, c'est. Tout le monde va C déjà, tu veux pas plutôt vas-y, go B alors. Ouais, non, B. Je suis alpha. Attaque! Tout va crapaud. Attaque, Gouga! Attaque! Ah, mais en plus, c'est bien pour nous ça. Vas-y, on le démonte! 4. Hey! Qu'est-ce qu'il fait le ninja? Tous ratés quoi, c'est très triste. Il est invisible. Ouais, c'est un fufu, ouais. Oh bon, yeah. What the fuck. Oh putain, on se fait flanque les gars. Reculez. Oh, merde. Ouais, mais c'est bon, on a des hommes. Restez sur le point. Et les archers, ça peut être cool. Ouais. Ah, les archers, ouais, c'est pas mal fort. Oh putain, je vais reculer moi. Je me fais taper. A l'aide, je vais me heal. Moi je me heal. Mes troupes sont toutes mortes. Parfait. Yes. Yes. Moi aussi, il me reste que 7. Non, pas attaque, suivez-moi. Revenez là, mes boulangers là. Protégez les boulangers derrière. Bon, ok les gars, on est plus que 5, mais vous voyez ce champ de maïs là. Cultiver. C'est parfait. Cultiver, ça pourra nous faire gagner. Je suis en train de faire ça. Vous avez créé une alliance ou pas encore, faut que je la fasse. Oh merde. Chier. J'en ai eu un. Venez ici bon, toi. On l'a pris le B. Ah. Il s'est fait défoncer lui. Healing. Let's go. Je vais en C moi. Non mais B il y a encore défendant. 3, il y a encore 3 ennemis. Il y a encore du monde, ouais. Wow, ce qu'ils me mettent. Ah ouais, non. Je refuse. Il me reste encore 5 paysans, moi. Moi je vais back cap C. Je suis pas peu fort. Oh toi, tu... Oh toi. Fendrick Longard est mort. Ah lui. Pom 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 pom. Il est mort. Yes. Il est mort. On perd A par contre. Il est pas mort du tout. Ouais mais on prend C. Il fait. Ah, ça c'est parfait ça. Ouais. C'est moi qui meurs du coup. Qu'est-ce qu'il fait lui? Reste là toi, reviens mécréant. Non. What the fuck? Oh là là, dis donc, mais quelle idée. Wa. Petit bâtard. Laisse-moi. Je vais mourir. Ah, ils ont des archers. Ah, moi, je vais rester là. Ah ouais, non mais les archers, hein. Quel enfer. Tain, on avait les archers, c'est fort. Hein. On avait gagné quasiment.
Oh, c'est pas grave, on leur a mis pas mal de points en retard là. Oh le KS. Oh oui, le KS. Ah non, même pas, raté. Ils sont barrés, ils sont plus chaussés. Moi j'y vais discret. Ah ouais, les deux contre moi là. Ah, j'ai contré mes premières attaques. Insane. Les premières parades. Je vais reprendre C en fufu. Ah, mais c'est bien, on a pris A et B. Ah ouais, on a A et B. Ouais. Mais A, B, on le tient là. Ouais. C'est bon, merde, j'ai la vue. Oh non, mon cheval est mort. Ah, on perd A. Oh, vas-y, mon cheval est mort. C'est si relou quoi. Je vais aller sur A. Ouais, je vais sur A aussi. Ah, c'est pour ça, moi, que j'utilise pas trop le cheval. Je me sers vraiment juste pour le déplacement. Dès que j'arrive, je le jette. Hein. Il est chelou, c'est qui Sekiro. Bah, je sais pas, c'est Sekiro. Je vais pas aller sur A. Attaque! On va où? On se retrouve sur B? Moi je vais sur A là. A là, moi aussi. Je retourne sur A aussi. Putain, mais il a sorti les grosses unités Alpha. Bah, c'est pas les miennes ça. Ah, c'est pour ça. Bah oui. Ah. Moi les miennes, c'est les bûcherons qui sont à la traîne derrière. C'est ah, pas oui, les mêmes. Il y a tellement de. Oh putain, fuis. Oh, il m'a buté mon cheval en un coup. Ah oui, je vois la barre de vie de Bim qui fait boum boum boum. Non, il m'a trichot. Niveau 22, niveau 23, niveau 24. Ah oui, d'accord. Ils sont tous sur B. Je pense que je vais aller sur C moi. Merde, mais je me fais défoncer mes bûcherons. Ah, j'ai plus de. D'accord. Bon, moi j'ai un cheval. Ah non, ils ont pété le point. Mais qui c'est qui a pété le point? J'ai plus de cheval. C'est le point qui a pété le point. Elle m'énerve la ninja là qui part fufu, c'est trop fort. C'est trop fort le truc qui fufu là. Double tag là, ouais, c'est pas mal. Bien, bon, je reprends le point là avec les gars. Par contre, on perd A vraiment là, faut se la donner là. Ok, j'ai 13. Ouais, mais c'est quoi cette attaque de débile là? Ah, oui, bah super, les deux qui me backstab. Culé! c'est assez frustrant le fait que ce soit pas du tout précis sur les animations. Ça, c'est ce qui fait que ça, je pense, ça va me saouler. C'est le truc du jeu, ouais, c'est les finitions qui sont pas. Ah, c'est dommage que ce soit un peu le truc le plus important. C'est ça, ouais. C'est ça le souci en fait. C'est ça le problème quoi. Vas-y, go, je prends tellement cher. Mais j'ai pas de cheval quoi, c'est horrible. J'ai perdu mon cheval. Je peux pas prendre derrière moi. Dommage ça. D'accord. Donc, vas-y, viens en A. En fait, dès que t'es à range des ennemis qui sont plus forts que toi, genre niveau 28, t'es mort en fait. Allez, viens, tu peux juste pas t'enfuir. Si, tu peux dodge. Non, même ça se marche pas. Tu roules au sol, les mecs ils ont la range, ils te touchent et t'es mort. Ah, les héros sont pas équilibrés. Non, ça a pas l'air. Oh wow, putain, mais comment le mode démonte? Oh my god! Très bien. Ok. Votre cheval est mort. Ok, je vais arrêter le katana. Hein. Vraiment, quand il est pas up, c'est l'affaire. Les animations du katana sont tellement longues. On reprend A, on perd C, putain on va pas y arriver. Ah mais l'autre là est en pot tellement, elle est horrible. J'ai redémarré sans unité. Mais c'est trop fort ce perso. Ah ouais mais lui ça, il a poncé le jeu lui. Vas-y, voilà. Ah mais je les connais. Ah vas-y, barre-toi. Elle a maintenu A tellement longtemps, c'est affreux. On se pète les dents sur le B, en vrai c'est débile. Hein. Faut pas aller sur le B là, vraiment. Là elle va venir nous emmerder au pire moment. Elle va fufu, voilà, elle est là. Elle est là, je sais pas où elle est. Là, tous les archers qui sont là. What? Ah ouais, je me fais vraiment one shot quoi. Putain, mais trop chiant ce perso, vas-y, c'est tellement insupportable de jouer contre ça. Qu'est-ce que c'est casse-couille. Vous êtes tombé. Insupportable quoi. Putain mais... C'est débile, c'est juste débile, sa classe ça m'a l'air débile, trop fort. Elle peut fufu, elle envoie plein de dagues, elle fait trop mal, insupportable. Ah mais ça ouais c'est le... Ouais, j'ai fait de la merde en reculant devant lui aussi. Et je sais pas comment le bloc marche, je sais pas à quel moment je peux bloquer en fait.
Ah, j'essaye de lui démonter son unité de lancier là, mais. Elle met des saignements. Oh. Ouais, non, mais c'est vraiment la classe relou en fait. Démonté. Ouais, mais tu regardes, ils jouent tous la même. Ah ouais, ils jouent tous ça tellement... C'est 4, je crois. Là. Fufus, non, c'est chi. Non, c'est 4 ouais, qui m'a défoncé le niveau 22 là. Ouais, le. Ouais. Mais genre, je vois pas trop ce que je peux faire avec ma classe en fait, c'est pas assez rapide. Ah, le katana, non, c'est très chaud. Hein. Ouais, ils ont gagné. Ah, c'est ah, dur là, dans le ouais, là, on s'est fait démonter. Hein. Mais vraiment, tout le monde s'est pété les dents sur le B là, je. C'est... Puis en fait, il suffit juste de faire du roaming sur A et C et tu gagnes quasiment toute la game. Hein. Vas-y, il est là, l'autre. Ils sont deux. Vous pouvez m'aider, les gars? Ouais, ouais, j'arrive, je suis là. Attends tes unités là, vas-y, vas-y, venez là, venez, venez là, vas-y. Ah bah là tu recules là, hein. Putain, là, faut... Je peux contrer. Ah putain, vas-y. On les démonte là les deux, on les démonte. J'aime pas ça, j'aime vraiment pas ça, j'aime vraiment, vraiment pas le gameplay en PVP. C'est vraiment dommage. C'est parce que t'as la mauvaise classe. Ouais, mais c'est, moi je pars du principe que si c'est parce que faut des classes pétées en PVP, il y a un gros souci dans le jeu en fait. Je pense que c'est encore un peu tôt. Moi je pense que ce jeu, le souci, ça va être la finition des classes. C'était une béfaite. Grosse béfaite. Là, je sais pas, là c'était assez insupportable. Là c'était pas fun. Ah, mais là tu es. Parce que c'est. Genre son perso, il full stun, je peux rien faire. Je peux rien faire en fait. Après, je pense que c'est le mec aussi avait débloqué plein de spells. Mais le vrai problème là, c'est que c'est pas du tout équilibré. Ils nous mettent en matchmake contre deux mecs. Après, on est crapaud et niveau 29, c'est peut-être pour ça aussi. Franchement, tu peux partir sans moi, tu vas voir. Ouais, tu vas penses. Tomber contre des mecs. Bah, vas-y, fais-le. Je fais une game solo. Vas-y, on essaye une game comme ça. Je me demande si. J'ai pas envie en fait de partir sur cette impression. Attends, je vais quitter le groupe. Non. Ah bah merde, non, je voulais quitter. Comme ça, vous restez ensemble. Ouais, t'inquiète. T'aurais dû m'expulser. Bah, quitte aussi et c'est bon. Ouais, si j'arrive à trouver ce putain de. Et K. Attends, chut, attends. Ah ouais, voilà, c'est ça, putain, l'enfer. K. Hop là, voilà. Vas-y, moi je vais lancer une game, je vais me lancer un petit siège là. Ah, c'est bon. Est-ce que j'ai gagné du truc pour level up? J'ai 63 points, je peux. Yeah mettre ça. J'aime bien le concept du jeu en tout cas. C'est vraiment cool. Le concept est cool. C'est l'exécution qui, j'ai l'impression, a peut-être un souci. C'est ambitieux en plus. Hein. C'est ça, c'est assez ambitieux, je trouve, comme concept. Je suis d'accord. Niveau 11. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils sont bons. Attends. Ah, mais ça, c'est que pour l'ulti, ça. Hein. C'est pour l'ulti. Non, mais c'est juste pour l'ulti. La touche T, crapaud, la touche T, c'est pour l'ulti en fait. Ah, c'est que pour l'ult le T. Ah, donc j'ai le choix qu'entre 3 spells en vérité. Bah, je vais mettre sanguinaire à la place de. Ça m'a l'air d'être un dash qui peut être utile. À la place du E. Donc, Cola est là. Gideon. Alors, est-ce que je peux acheter une autre monture, j'avoue? Parce que ça va être chiant de pas avoir. J'ai 6000 de thunes, ça va. Céleri. Ah. Ça fait quoi les céleri? Ah oui. Ah oui, tu peux rendre beaucoup plus tanky ton cheval. D'accord. Yeah. Monture. Isabelle, ça coûte 10 000! Ah ouais, c'est trop cher! Ouais, ils se sont claqués, hein. Même les bleus, elles sont 75 000, c'est encore pire. The fuck. Les prix sont. Ouais. Ah ouais, c'est trop cher! Genre. Les prix, faut avoir envie d'avoir une monture. Ouais, faut vraiment. Alors attendez, par contre, niveau des troupes, je peux peut-être me racheter un stack de troupes. Mais je crois pas que je puisse m'acheter des archers encore. Genre, les archers, je crois pas que ce soit possible. Attends, est-ce que je peux prendre ça, moi? Ouais, vas-y, commencez. Genre ça là. Comment t'achètes les pactages d'archers de milice? Normalement t'en gagnes un. Quand t'as le truc. Ou sinon quand tu cliques sur assembler, ça t'en propose pas.
Si, mais après, s'il y a des enchères, j'ai pas trop compris. Attends. Des enchères? Ouais, je sais pas, ça m'emmène sur un onglet enchères. Ah bah, faut peut-être que tu l'achètes du coup, mais normalement, t'as une quête en fait qui te file un truc de base. Tu peux toucher tes récompenses. Ouais, mais la quête, je l'ai pas finie. Ah bah voilà, ouais, t'as fait ça, ça obligatoirement. T'as récupéré tes récompenses en faisant P. P. Tu fais P, après tu vas dans carrière et t'as tes. Au fait. Caserne. Hop là. Ah oui. Permis d'agrandissement. Permet de recruter une unité supplémentaire. C'est ça. Ah oui, il y a des trucs. Je crois que c'est tout ce que j'avais. J'avoue qu'il y a un sacré paquet de hauts faits. Putain, le bordel, il y a tellement de trucs quoi. Oh, c'est pareil, c'est le protectorat qui a des putains d'alliances là-dessus sur le jeu là. Sinon tu peux cocher et utiliser pièce de bronze. Ah faut cocher. Ah ok. Pourquoi ça marche pas? Ah, approvisionnement 4480. Quoi? Je comprends pas, leur écran il est pas du tout, c'est hyper confus. C'est le bordel. J'ai pas assez de thunes. J'ai pas assez d'argent. J'ai 6000 pourtant. Comprends, yes, j'ai des piquiers. C'est parce que je suis pauvre. Bon vas-y, c'est pas grave. Let's go bataille. Bataille rangée. Au combat. Attaque. Ah, lui il est arrivé en mode YOLO. Il s'appelle Beyblade, il est arrivé en faisant une toupie avec son cheval quoi. YOLO. Ouais, ça coûte 4480 plus 2200, ouais. Il me manque rien du tout quasiment. Bah attends, je peux pas vendre un item. Attends. Trop tard. À la prochaine bataille. Ils disent trop tard. Cheval bourré. Et cannabis. Trop de couches. Ouais, j'ai il manquait. Il est gratuit ce jeu. Alors, qu'est-ce que c'est comme bataille? Ah, bah voilà, là on est avec des levels 11, 12, 13 là. On est avec des gens nuls là. Ah ouais là? Bah ouais, mec. Ah bah, dans notre équipe en tout cas. Et en face, ça va être full level 30. Et là, quoi? Non, mais peut-être. Hein. Ah oui. Ah, non, là, on est qu'avec des gens. On est qu'avec des gens qui débutent bah, là. Tu je me crois. Dis comment se passe la game si ouais, on va voir, Ah, c'est une autre map ça, hein? Ouais, c'est une autre map. Il pleut! Oh non! FPS! Il y a sûrement une arme qui joue full cheval, lance ou un truc du genre. Ah, j'avoue, ouais. Ouais, parce que le Nodachi à cheval, oh, c'est pas. Dans le jeu, mon dieu. Moi, j'ai, elle est bien celle que j'ai. J'ai une lance là, une espèce de halbarde ou lance? En fait, je touche quasiment les deux côtés quand je fais un coup. T'as pris quelle classe au début? Celle avec une espèce de lance. Ah, le glaive! Une épée au bout. Ah, c'est le glaive chinois ça. Ouais. Ça a un nom, ça. Du film Heroes. Ouais, en fait, c'est level 11, 12, 13, hein. Full, hein. Ouais. Ah ouais, ouais. Ah bah, tu vois, alors, c'était... Ah, mais du coup, ouais, tu peux pas vraiment jouer avec tes potes si t'es pas de leur level, quoi. Ouais, c'est bien... Vas-y, viens, on va en A. T'es avec moi? Yeah. Ouais, je te suis. Bah, du coup, je vais vous laisser, du coup. Hop là. Ouais. Comme ça, je voulais faire on va, on va essayer de. Ah, faut capturer ça? Non, Osef. Faut rusher. Ouais, faut capturer ça. Yeah, ça arrive, ça arrive. Yes, ça arrive. Tu viens sur Rust après ou pas? Moi, ce soir, je Total War de mon côté. Et toi, après, si tu veux faire du Rust, pourquoi pas? Vas-y, hein. Vas-y, je te tiens. Au courant. L'aide. Vas-y, on les tue. Focus sur Ricky. À toutes, les gars. À toutes, Repo. Merci pour l'aide. A plus. Ouais, bisous. Mais... Ah bah là c'est plus jouable. Fait combien déjà là? J'en ai buté Franco là. Us! J'en ai buté deux là, let's go! Nice! Il fuit, regardez-les. On les a défoncés. Attention, nice. Autour de nous il y a du monde. Hein. Oula, quand elle m'enchaîne. Chier! On a tué un autre.
Oh, trop bien. Les unités qui bloquent le point, c'est génial ce qu'il a fait. T'as vu ce qu'il fait? Ça s'habille bien. T'arrêtes de te heal, toi? Us! Us! Mais on reste 4. On reste 4 heal. Oh, ce que j'ai pris. Blam! Il me barre. Je suis trop chaud. T'as vu le point là? Le mec il bloque le point avec ses boucliers. A l'aide! Au secours! Oh! Oh le petit bâtard! Petit archer de merde! Bah voilà, là j'ai décidé. Là j'ai fait du dégât là! J'ai l'impression d'être impactant là! Ah, il y a des archers dans notre équipe aussi. Et là j'en cheval de nouveau. Parce que j'ai pas laissé mon cheval mourir. Je retourne en A moi. J'ai plus d'unité moi. Ouais, j'ai pas fait le Volvi assez tôt, j'aurais dû le faire avant. Merde, j'ai plus de vie. T'as tué. Ah ouais, le body block c'est quelque chose de qui existe. Mon cheval est mort. Encore. Putain, mais vous avez fini de vous barrer autant de... Chez. Us. Y'a un mec, je sais pas où il est. Ok, j'ai tué quelqu'un. Nice. Ryuko. Ryuko. Bray. Faut aller en point A là. Bray. Pas le cheval, bande de monstres. Après y'a le point C et on est bon. Je suis en point A là. Ah bah, heal-toi avec H. Regarde, j'en roule mon bras et je me heal. Faut rester fixe hein. Ah c'est pour ça que ça y est le canal. Moi je vais push B là. Ah y'a du monde là ici. Allez, je suis avec toi. L'archer, je vais mieux faire. Vas-y, j'ai pas la range ou quoi là. Oh, je l'ai défoncé, il a rien compris. Mandara, mort. Hop là. Us. Il fonce dans le tas là. Allez, attaquez là. Ah putain, elle se barre. On l'a défoncé la pauvre. Hop là, ça c'est clean. On perd C. Oula, c'est ouais, le bordel en B. Ils sont tous sur C en fait. Ils sont littéralement tous sur C. Bah, c'est ça qui fait le bruit là. Bah. Je leur tue leurs chevaux mon gars. Il est mort là. Nice. Ah, Franco, ce qu'il a pris là. Ah, je suis mort. Body block. Reviens là, toi. Ok, j'arrive avec mon armée. Putain, elle est relou, elle. Putain, reviens. Chiante. Chez. Essayez de fuir. Ça, c'est la technique de Dark Souls, ça. Quand quelqu'un essaie de fuir, il fait des roulades ou quoi. Tu fais l'attaque dans un timing un peu chelou et à chaque fois, il est en mode... J'arrive pas à m'enfuir. Ça, c'est... En PvP, Dark Souls, c'est utile, ça.
C'est en train de faire, ils essaient de prendre je crois, B. Je crois qu'il a même pas. Moi j'ai pris je sais pas quel. Ah j'ai pris un point nul moi. Ah mais qu'est-ce que tu fais là toi? Allez mes lanciers là. Il est temps de faire le taf. Yes. Ah oh, c'est tellement bon. Bon lui il a plus d'unité, on a B hein. B nous appartient. Ah vas-y, y'a l'autre qui a, tu faisais un beau duel là. Hop là. On va aller sur A maintenant. Us. À pied c'est pas pratique hein. Ouais, j'ai quand même l'impression de faire sacrément plus de carnage là depuis qu'on est avec des gens de... Oui bah voilà, là ça se passe mieux. Ça se passe mieux là quand on est avec des gens de notre level. Là on joue vraiment au jeu en fait. Ah j'ai eu un casque. Ils étaient tous bien nuls en fait, c'était bien. Est-ce que tout ceci n'est pas un peu violent? Tu fais un quadruple merde, briser les rangs, sans pitié, gladiateur, dieu guerrier. Ah j'ai eu dieu guerrier, c'est pas mal ça. Noble cause, casque bas. J'ai eu des bottes. Des bottes. Parce que t'as... Oh, j'étais MVP. Yes. MVP de la game, you know. Nice. Ouais, je pense que je vais y rejouer, mais en off. Et je referai peut-être un live dessus quand j'aurai un peu plus compris le jeu. Mais il a racketté les Nike du Nodashi en face. Quoi? J'ai rien compris. Yeah. L'affamé. Là j'ai de la thune du coup, non? Ah oui j'ai 7000. Un peu plus de thunas. Là j'ai tué 4 archers. Sur 18. Niveau 15. Putain le nombre de titres que je viens de recevoir là mec, ça n'a aucun sens. Ah oui. Bah pas moi. Ah bon? Moi j'ai pas eu grand chose. Chelou. C'est quoi ça? Ordre de réquisition. L'ordre de réquisition permet de récolter les ressources d'un site où vous avez déjà récolté aujourd'hui, ok. Un site. Ok. C'est pas. J'ai pas level up? Si j'ai level up. Si. Hop, on monte la force. Ah mes bottes, du coup. Comment ça? Ça correspond pas. Nani? Ah, c'est de l'armure lourde. Et ça correspond pas à ma classe. Ah, tu mets de l'armure lourde toi ou pas? Je peux te le filer peut-être. Je sais pas du tout. T'es où? Viens, je suis dans... Attends, t'es dans quelle ligne? 6. J'arrive. Le jeu en FR? Bah, via Steam, j'ai pas eu l'option de le mettre en FR, mais quand j'ai mis le jeu hors Steam, j'ai pu le mettre en FR. C'est pas moi pointure, ouais. C'est du 45 alors que je fais du 47. Silus me défie en duel. Oula. Merci, Hort. Bah, c'est toi qui fais bah, je suis là. L'option. Est-ce que... Bim. Attaque. Ha! Hi! Quoi, j'ai bloqué? Ha! Mais please! Ah! Ah, petit bâtard! Ah, mais putain, mais je peux plus rien faire! Ah, ça suffit! Hé! Hey, si! 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 Full bourrage! Bah! On a eu le même dodge nul! Ça! Si! J'arrive pas à bloquer! Ha! Pareil, j'ai eu le même problème toi. Tu. Bah tranquille. Taï. Pardon mes dents. Ah non, j'ai raté mon attaque. J'ai perdu. Aïe.
Aïe. Ah, on peut pas contrer non-stop. Il y a un petit bouclier qui s'abaisse. Ça suffit. Ah, mais quand t'as plus de vie, tu peux pas. Ah putain, comme je range mon épée. D'accord. Ah, t'es mort là? J'ai gagné! T'as perdu. Ouais, non, mais l'autre il me défie, non, c'est mort. M'intéresse pas. Attends, tu veux pas faire des tests? Attends, je veux faire un test au niveau du blocage. T'en refais un duel. Merde, j'ai accepté un duel avec lui. Ah, bah adieu du coup. Comment on quitte? Attends, je vais juste attendre qu'il me tue. Niveau 38, ça va pas prendre encore. Passionnant, hein. Je crois qu'il veut que tu te battes. Il a pas compris que tu voulais... Go! Go! Là, il te défonce la gueule, là, c'est violent. Allez, faut qu'il te finisse, là. Mais quel relou, quoi. Oh, joli. Allez, là, chiant. Oh là là, il est lourd. Je sais pas comment on quitte le duel. Comment tu défies un duel? C'est clic droit, tu fais alt et clic droit sur un mec. Ah. Attends, je peux faire ça en fait. Quelle fureur. Voilà. Ah, c'est bon. Ah, supportable. Ouais, le mec il voulait que ça dure quoi. Il est là, ah, je suis meilleur que lui. Ça va durer. Donc vas-y, enchaîne-moi. Ah. Pas qu'il m'a dit. Hein. Je maintiens. Arrête de m'enchaîner. Hein. Arrête de m'enchaîner. En fait, ok. Donc, arrête. Arrête, j'ai dit. Ok, donc je viens de comprendre un truc. Je viens de comprendre un truc. Tu ne peux pas parer au milieu d'un enchaînement ennemi. Genre, c'est impossible. Ah, tu peux que dodge, je pense. Donc attends, tu vas me redéfoncer la gueule. Rattaque-moi là. Ouais, tu peux faire que ça. En fait, quand tu commences à te faire défoncer dans une attaque, tu peux faire que ça. Mais par contre, tu vois, t'as une petite jauge qui baisse. Ah ouais, quand ta garde est percée, c'est la merde. Wouh! Ça a touché. Ouais, ça a touché, j'ai pas compris. Je sais ce que tu penses. Je suis dans ta tête. Eisha! Ça! Si! Ah oui, ça touche quand même. Ça! Si! Ah! Eisha! Hi! C'est ça! Ah, je peux pas les bloquer. Il y a certaines attaques, je peux pas les bloquer. Ça! D'où ça touche ça? Je sais pas mec, mais le Nodachi j'ai l'impression qu'il y a une grosse portée quoi. C'est marrant, les fights c'est un mix entre du Dark Souls et je sais pas trop quoi en PvP, c'est bizarre. C'est un peu bourrin, c'est assez brouillon je dirais. Je pense qu'ils ont du taf à faire sur les fights. Hein. Mais ça m'a pas l'air dégueu en termes de classe. Le Nodachi. Enfin genre il a pas mal de portée en fait, c'est ça qui est bien. Et le coup que tu peux pas contrer, je crois que c'est mon A. C'est l'espèce de tourbillon que je fais. Ah, c'est pour ça. Genre ça à chaque fois ça passe chez tout le monde. Ça passe chez tout le monde. Classe, je pense que ça peut être pas mal notamment quand tu dois buter des régiments aussi, ta classe. Parce que t'as énormément de portée avec le mec il fait un... le cheval c'est une toupie le cheval. Le monde ouvert est comment? Ah vas-y viens, j'avoue, sors, viens on sort dans le monde ouvert. On va pas tarder à aller sur Total War les copains, vous inquiétez pas. Tu fais la campagne? Pataclop, pataclop. On sort. Ouais, je fais ma campagne solo. Nice. J'avance un petit peu. Un petit peu. Ah, faut parler au mec, je crois. Genre, oui. Tu peux pas juste sortir comme ça. Rythme en immersion. Quitter le fief. Ah, et du coup, on peut prendre des troupes. Viens, je prends ma milice. Attendez. Je prends mes paysans métayers et mes bûcherons. Ils vont partir en campagne avec moi. Dark Souls, brouillon, là, ce qu'il faut pas entendre. Bah, moi, c'est le feeling que j'en ai. Parce que, genre, c'est... En 1v1, t'essaies de faire connecter tes attaques, un système de parade, un système d'esquive.
C'est vraiment, pour le coup, la comparaison n'est pas si loin. Mais juste dans les situations de duel. Hein. Ça parle pas dans le jeu de manière générale. Ah, j'ai une armée. J'ai une armée nulle avec moi. Moi aussi. On a des armées nulles. Oh, il y a des caisses abandonnées. Viens, on va voir. Un amoncellement de caisses et de coffres dérobés par les rebelles et entrepôts se... Souhaitez-vous chercher? Oui. Je l'ai pas, moi. On a trouvé des pièces de cuir. Ah, trop bien, il y a des loot, du coup. Je peux quoi, ça chasser. Ah bon? Ouais. Allez, viens. On va... Donc ça, c'est la carte de campagne. Et donc, en fait, c'est dans sur cette carte de campagne, t'es avec tes armées et tout, et tu peux prendre des villes. D'accord. T'as pas des caisses abandonnées, toi, dans ton coin? Si, j'en ai trouvé une. Ah, moi aussi, j'en ai. Là-bas, il oui, y a non. Ban... Il y a Banda, Empire Occidental. Quoi, ça, Banda level 1? Tu la vois aussi? Une auberge, hutte délabrée. Wow. Attends, faut que je change les graphismes. Je mets ça plus joli, quand même. Caisse abandonnée. Caisse à out. Caisse yes. À out. Petite bourse de pièces. Eh, mais c'est bien en fait de faire ça là. Territoire de Banda. Les rebelles rôdent autour du camp. Écrasez-les. Ah ouais? C'est les niveaux 3 qui sont en droite là? Je sais pas. Mais là il y a Banda level 1, j'ai envie de voir ce que c'est. Banda. Vas-y. Ça c'est cool, je trouve. C'est je trouve ça vachement bien qu'il y ait un système de trucs comme ça. La musique coup, est bien. T'as des rations pour ton armée ou pour ton cheval? Attends, il y a une hutte délabrée. Je sais pas du tout. Hutte. Quelqu'un m'a expliqué le jeu rapidement. Bah, c'est pas facile à expliquer. Hein. C'est un MMO où tu contrôles un seigneur de guerre, t'as une petite armée, des régiments. Nul ne sait ce qui s'est passé ici, vous arrivez trop tard. Souhaitez chercher des ressources, ouais. Oui. On a trouvé. Je suis rentré dans pile de sacs en lambeaux. Ah ouais? Vas-y, attends, j'arrive. On est sur le territoire de Banda. Mais alors, Banda, ça appartient à une guilde, c'est ça? Entrée en ville. C'est une ville. Statue en paix. En si paix. C'est une, si c'est un copier-coller de l'autre ville qu'on vient de voir, je suis un peu déçu par contre. Non, 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 c'est une autre ville. Ah ouais? C'est cool ça. Ah oui, mais c'est Pégulande là par contre. Ouais, ouais. Je sais pas, y'a rien à faire. Ah ouais, y'a pas des gens. Exactement comme celle où on était. Ah, mais si, y'a des gens à qui parler. Maître d'écurie. Peut-être des caisses, des trucs comme ça. Ah ouais, mais j'ai toujours pas assez de thunes pour ça. Ah, mais je peux vendre ça par contre. Ah non, attends, tiens. Je peux pas t'échanger des items? Si, je pense. Hein. Attends, je me rapproche de toi. Modifier l'apparence de l'équipement. Non mais t'es déjà dans la liste. J'ai pas d'argent. Attends, bouge pas. Oh. Non, je peux pas. Mais si tu fais... Tu fais K. Ouais, je suis en train de regarder. Objectif de groupe, niveau... C'est lié? Ah ouais? Ah oui, lié. Ah merde. Je peux que le vendre. Dommage. Ah, c'est le trans, c'est le maître des transmos de WoW en fait, lui là. Il peut changer ton stuff à armurerie. C'est là que je pourrais vendre mon truc. Armure pour héros. Héros. Voulez-vous vendre? Combien tu me le vends? Waouh, prix de vente 32. Je vais être si riche. Yes. Ah bah c'est pareil, c'est nul ça. Pareil, c'est nul ça. Ah oui, et donc, tu peux carrément booster ton armure. Vous êtes parvenu à rassembler une poignée de pièces de bronze. Ne peut être vendu. C'est quoi? C'est comme les âmes dans Dark Souls? Tu les utilises comme ça? Ok. Ah, je peux acheter du stuff du coup ici. Donc, ouais, mais je peux pas. Parce que c'est niveau 30, non? Ah oui, c'est niveau 20. Niveau 15. Ouais, y a des zones qui sont bien séparées. Ah, il y a de la petite milice qui passe. C'est cool, hein, je trouve, de pouvoir aller de ville en ville comme ça.
Genre niveau immersion, c'est sympa, je trouve. Hiya. Après, j'aimerais bien qu'on puisse tout le temps être en mode comme on est là. Ouais, j'avoue, ouais. Ingénieur de siège. Quittez le fief. Et le bim bam. Ah, y'a un mec qui me... J'ai un icône de quête ici. Ah, mais c'est le même. Officier d'instruction. Par contre, y'a le maître d'armes là. Oh, elle est stylée son armure à lui. Ah, donc ce que tu as, c'est un Guandao. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai 213 points. Je peux apprendre tant de techniques. Augmente la vitesse de déplacement. Xerk, ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Inébranlable. Ce serait pas un ulti, ça? Non, c'est pas un ulti. Inébranlable. Ah, les ultis, c'est ça, en fait. Auberge de passage, c'est quoi ça? Avalanche. Wouah, c'est quoi cet enchaînement de malade mental? Déjà, ça, c'est le saut du dragon. Au cœur de la mêlée, infligeant 300. Putain! La violence. J'aime bien Avalanche. Donc, ça, j'ai débloqué. Ah, ça coûte 600! Ah! Ah, d'accord. C'est un peu cher, en fait. Ah, ça coûte 200, ça. Ouais, je débloque tous ces trucs-là, comme ça, j'aurai les passifs. Okay, et donc les, ouais, les pièces de bronze qu'on a trouvées sur le chemin, tu peux en faire quoi en fait? Je ne sais pas. Ah, tu les ouvres en faisant. Ouais, c'est comme les trucs d'âme dans Dark Souls. Je suis level 77 dans une grosse guilde, dont recycler le stuff qui ne t'intéresse pas, c'est important. Ah ouais? Ah oui, tu gagnes des pièces de bronze. 611 et 24, j'ai gagné là. Ouais, c'est pas mal. Ouais, le drain de vie, je pense aussi que c'est gothier. Mais ça dure pas longtemps, c'est ça le problème. Alors par contre. Je réfléchis. Comment on recycle? Ah, c'est chez le forgeron qu'on recycle. Non, mais il y a du potentiel sur ce jeu. Je pense qu'il faut juste qu'ils bossent à fond leur. Le système des. Ah merde, j'ai vendu, du coup je peux pas recycler, je suis trop con. C'est pas grave. Ok, viens, on reprend la route. Moi je suis dehors là. Ok. Tu peux trouver du bois aussi, je sais pas, des bouts de bois. Du wab. Du wab. Du wab, mon gars. Quitter une zone sûre. Ah, cool. Ah, bah attends, je vais t'attendre. Quitter le fief. Ah, c'est ça les rebelles qui rôdent à tour du corps. Ok, donc t'as ouais, des noms de villes qui sont en le rouge. Le jeu est bien complet, mais faut qu'ils arrangent les kills individuels. Après, tout à l'heure, je me suis fait défoncer par le mec qui était assassin là, mais il était niveau 30, je pense. Pas loin, entre niveau 20 et 30, et moi j'étais niveau 11, donc je pouvais rien faire. Donc c'était très frustrant. Mais et à mon avis aussi il devait être mieux stuffé. Je pense qu'en fait, tu sais, c'est typiquement le genre de MMO où là, le level, le stuff, tout ça, ça compte de ouf en fait. Et genre si t'as pas ça, t'es mort en fait. T'es dans ligne 1 ou t'es dans laquelle? Je suis ligne 2 là. J'arrive. Elle est forte pour dépoucher les unités en duel héros, c'est moyen mais utile. Ok, ok. À chaque classe est plus ou moins forte en duel quoi. Ouais, je pense que ouais, l'assassin c'est God tier en duel, hein, 100%. Celui qu'on a vu là. Vous êtes dans une zone pas ouf niveau sûreté. Ah. Au pire, le stuff est ultra important. J'avais pas changé d'armure au niveau 15 et après changement insane. Ah ouais, faut un peu farmer et tout. Tu es où? Moi je suis devant Banda là. Ah, je te vois. J'arrive. Y'a un mec qui vient de passer, il était niveau 50. Ah ok. Et là du coup si on va par là. Il y a une auberge de passage. On rentre dans une zone. T'as vu? Ouais, c'est pour reprendre de la vie des unités. Il y a niveau 26 juste en face. Son pseudo est écrit en rouge, du coup je pense qu'il est pas exactement amical. Sympathique. J'avoue. Pourtant, Yunlai, c'est pacifique. Il y a lui là. Kyakimaru là. Il y a un mec qui s'appelle Kyakimaru à côté de moi. Ouais, ouais. Tiens, viens par là, viens vers moi. Attends, je suis sur un camp abandonné là. Tu peux dézoomer à fond, attends. On cherche tes ressources. Ton écran. Ah, tu peux dézoomer et ça te met la carte du monde. Wow. Ouais, ouais. Et t'as vu la carte du monde, elle est insane. Ah ouais, d'accord. Elle est si grande, ça n'a aucun sens. La terre. La guerre. Sur la terre. Une guerre fait rage depuis des siècles.
Ah merde. Non, moi je voulais être dans, pile dans ce level de zoom en fait. Là je suis en mode bûcheron. Voyageur de Yunlai. Je viens de voir un truc là. Vous entrez sur le territoire de Yunlai. Attention, vous quittez la zone sûre. Tant mieux. Fear. Ah donc je crois que Yunlai ça a été capturé par une guilde. L'alliance Fear qui est neutre. Fear. Champ de coton allongé. Attends, viens voir. Tiens, on va là-bas. C'est balade. T'es rentré dans la ville là? Non, non. Non, viens, je pense que ça c'est une ville, tu peux rentrer dedans et tout va bien. Hein. Ok. Non mais pour un free to play, moi je trouve qu'il est quand même sacrément ambitieux en fait. C'est ça qui est cool. Ouais. Mais ouais. Le souci c'est que je pense que c'est vraiment du farm hardcore quoi. Je pense que c'est vraiment du gros farm hardcore. Ah viens, il y a une ferme rustique là-bas. J'ai envie de voir ce que c'est. Tu la vois? Non. Nope. Bah c'est dans le sens où tu vas donc c'est bon. Je vois un camp de coton. Le champ de coton il est à gauche. Ouais ouais. Ouais mais la ferme rustique elle est de l'autre côté. Par là où je vais. Derrière la colline. Ah oui je la vois, ah oui super loin, d'accord. On va se faire attaquer par les bandits, bah tant mieux, tant mieux. J'ai trouvé un corps. Ah ouais. Tu sais le corps de l'orateur. Qui me permet de parler dans le canal Monde. Trop marrant ça, avoir un objet qui te permet de... Oui 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 mais on en a tous apparemment. Il m'a dit qu'il en a eu un crapaud. Ah. Oui, non, mais tu le trouves sur la. Sur des items en fait. Sur des trucs abandonnés, tu sais. Ah oui, d'accord. Tarif 3000. Bah ouais, ouais, mais on va voir. Là, il faut qu'on paye 3000 pour aller là. Ferme rustique. État actif. Ah ouais. Rattaché à Touhoum. Nécessite niveau 10 unités ration. Jour restant de récolte 1. 3000 gold, enfin 3000 pièces. Attends, j'ai des caisses abandonnées d'abord que je dois check devant. J'ai combien de gold? 3000. On peut tester, hein. Ah oui, j'ai trouvé le corps de l'orateur. Alors, ça fait quoi quand on clique là-dessus? Coût de la récolte 500, tarif 3000. Ah, ça fait tarif quoi 2500. Ça vous pourriez bien trouver des céréales sauvages. Des rations. Donc le tarif c'est 3000. C'est pour le cheval ça? Coût de la récolte 500, hors de... Quoi? Collecter ou réquisition, je comprends rien. Putain, ça m'a l'air tellement compliqué. Dans quelle région on est dans Yaoyang, Maoyang, c'est ça? Maoyang, tout au nord-est. Ouais, ça évite le spam dans le monde pour les gold sellers, ouais. BDO, par contre, c'est vraiment, vraiment trop farming pour moi, BDO. Moi j'aime bien le côté, t'as ta petite armée avec toi. On fait quoi, collecter là? Je vais faire collecter. Il y ça y dure 30 secondes. La mine de cuivre. Ça dure, mine de cuivre. Ça dure 30 secondes là, je fais une collecte. Ok. Je sais pas ce que je fais. Je pense que c'est pour acheter en fait des... Et ton cheval il pourra le manger peut-être. Unité, ration. Non je sais pas. Mais des rebelles rôdent, écrasez-les. Ah, il y a des mecs en combat qui sont à droite, là. Ah, je peux réquisitionner une... Je peux réquisitionner la ferme. Ration x 4323 ont été transférés dans le chariot. Yes. Très okay. Bien. Et si je fais réquisition? Vous n'avez pas assez d'ordres. Il faut des ordres, pardon. Attends, c'est une blague, il y a Zhao Yun à côté de moi. Quoi? Il y a un mec qui s'appelle Zhao Yun. Ouais. Mais mort de rire. Trop drôle, attends, je vais lui dire bonjour. Tous les fanboys des Trois Royaumes. Incroyable. Et ça, trop c'est pour drôle. Faire des armes, en fait. C'est un mec du tchak, 100%. Non, un mec qui a le pseudo de Zhao Yun, il a dû se jeter dessus, hein. C'est rattaché à Touhoum, mais Touhoum c'est la ville d'abat qui appartient à Gokturk. Elle est partie, Zhao Yun. Il est parti par là. Ping. Bon, c'est pas grave. Et là ça fait quoi? Collecter. Je collecte. Bah, ça c'est doit être pour faire des armes en fait. Ouais mais là je collecte plein de minerais. Je pense qu'avec ça tu peux les filer au forgeron ou un truc comme ça. Ah les rations ça me permet de me déplacer comme je le fais actuellement.
Quand t'as plus de rations, les unités sont useless car tu peux pas les faire attaquer par des joueurs. Car tu peux te faire attaquer par des joueurs, donc fais gaffe. Ok, ok. Donc il faut avoir des rations en fait. Faut collecter des rations pour pouvoir te déplacer avec ton armée. Ça paraît logique. Mmh. Oui, tu vois en bas de l'écran. Ouais. J'ai du chalcopyrite. De la lune. Donc ouais, dans ravitaillement. Il y a du culprite là-bas. Tarif 1600, ah ouais. Tarif 2100. Ah, il est moins cher. Celui-là est moins cher. Et on peut pas, on peut pas attaquer des bandits ou des trucs particuliers là ? Eh ben, c'est, ça nous a mis le message. Mais je pense dans la zone qui est derrière. Non, dans la zone où on est là. Ça, c'est la zone orange dans laquelle on est. Ah oui, là, c'est plus ouais. Une zone de bandits, je crois. Et moi, je suis rentré dans une zone blanche, du coup, ça va pas être, ouais, ça va pas être une zone de... Putain, mais c'est ouf la map, quoi. C'est marrant comme c'est fait. C'est si grand. Attaque les autres joueurs. Bah, y'a Zhao Yun, il est quel level? Il est niveau 30, on va éviter peut-être. Hein. Bien, faut qu'on trouve un petit joueur des nuls là, qu'on attaque. Et on le tue. Et on le tue. Ah, bah, y'a du monde là-bas. Niveau 34, yes. Niveau 31. Non, bah, ouais, du coup, à plus tard, salut. Hein. Bof, ouais, du coup. Du coup, moyen chaud. Hein. Ils ont un beau convoi, hein, t'as vu? Ils ont une belle armée. Hein. Ouais. Ils ont un chariot. Ouais, ils ont un chariot, pour je vois ça. Les rations, je pense. Ou nos corps quand ils nous auront tués. Où est-ce qu'on peut trouver du fright? Quelqu'un dans le chat qui disait qu'on était dans une zone pas sûre. Ouais. Il n'y a que du niveau 33. Et please. Ah, j'avoue que ça va être compliqué d'en attaquer un. Ah, j'ai des caisses abandonnées là-bas. Ouais. Ouais. Moi je pense que les potes, moi je vais arrêter là. Gokturk. Je vais arrêter là pour Conqueror's Bay. Je pense que j'y rejouerai en off. Enfin je sais pas si Bim est chaud mais... je pense que j'y rejouerai parce que je suis très curieux en fait de voir... comment j'aime tout ce petit monde fonctionne. J'aime bien les batailles, comment elles fonctionnent. J'ai consommé la moitié de mon stock de rations. Encore. Faut griffer les noobs à la sortie de la ville. C'est pas bête ça. Hein. J'ai trouvé petite bourse de pièces. Ah viens, on va revenir vers la ville. C'était quoi déjà? C'était Ling... Lingyan, non? Yunlai? C'était Yunlai? Je sais plus. Non, c'était Anyang. Il faut qu'on aille à droite. Il y a un truc qui brûle là-bas. J'ai envie de vers là où tu vas. Il faut qu'on aille vers là où tu vas. Anyang, voilà, c'est Anyang. Anyang. Il y avait un fight? Ah ouais. Oh, il est niveau 11, je peux l'attaquer. Ah oui. Ouais, engagez le combat. Go. Niveau 32. T'es sûr? Et un niveau 21. C'est un niveau 32 qui attaque un niveau 21. Je veux être attaquant. Je veux faire partie des cliquez gens qui pour vont rejoindre de la bataille. Trop drôle. Non, vous... Engagez, oui. Vas-y, je rejoins côté attaquant. C'est tellement abusé, mais c'est abusé de ouf. Le pauvre, il va être tout seul. On va le déchirer. Rencontre dans le désert. Trop drôle. C'est trop bien. Tu peux participer aux batailles comme ça sur la map de campagne. J'arrive dans et 40 nous, secondes. On est non affiliés, on n'a pas de... On est des mercenaires sans âme. On a pas de guilde. Le mec en face, il doit se dire, mais quelle bande de connards. Grave. Ah non, mais là, il y a du monde qui join, là. Il y a niveau 30 qui a rejoint. Ah merde. Niveau 27 de l'autre côté. Ah merde. Ah, il y a Zhao Yun qui a rejoint. Il y a notre Zhao Yun et Zhao Yun dans la même game. Tellement drôle. Ah merde. C'est peut-être les guildes, ouais. Level 12. Non, il faut qu'il y ait des nouvelles 50 qui join, là. Ouais, ce serait bien. Là, on les déboîte. Hein. Tu charges aussi? Ouais. Là, il reste Karen là, qui se connaît. What the fuck? C'est MV Zhao Yun, ouais, sûrement. Yeah! Ouais, elle est belle la map. Du coup, on s'en fout des points de healing, on va droit sur eux. Moi, je vais suivre Zhao Yun, il a l'air stylé. Oh, il a une armée trop. Il a une armure trop classe. Ah putain, oui, j'avoue. Ah non, butez lui là, il est tout seul. Et puis face Lévi là. Attention là. Ah, ils sont pas tout seuls en fait. Combat engagé. J'ai fait 0 dégâts.
au cheval. Je vais avancer mes troupes. Allez, il est tombé à terre. Allez, il est mort lui. Go! Comment il reprend de la vie? Moi je tape les troupes en prio. On, je suis en train de buter à niveau 30 là. Ah ouais? Ouais. Tu l'as eu? J'arrive. Quasiment, ouais. T'es un boss? Vous êtes deux. Ah, vous êtes deux. Yes, il est mort. Bien joué. Nice. Allez, on me suit mes élèves. Ya yeah. Oh le tas. Le tas de mobs. On va caper le point là. J'ai mes troupes qui arrivent. Bah prenons le point. Ouais. Oh, t'as mordu mis. Allez. On l'a défoncé lui. En train de caper. C'est cool hein. Ouais c'est un bon truc ça. Mais y a pas de chat. On a gagné. Peau de chef. Ah les pauvres, on les a. On leur a marché dessus. Ration 147. Ah mais par contre c'est abusé parce que là c'était pas équilibré, les mecs ils étaient moins que nous. Et du coup on leur prend leur truc. Peau de chef, bois de pain, émacie, coton allongé, minerai, ration. Combien de rations t'as eu? Les chiens de la casse, 500 et quelques. 500? Putain j'ai eu 130 ouais. On a gagné 4 points d'XP par contre, c'est moyen. Niveau XP c'est moyen. Yopocheka. C'est moyen. D'accord, donc, ah ouais, donc les mecs quand ils se proquent une battle, tu peux join. Ah c'était hématite, pas hématie. Ouais hématie c'est dans le sang non? C'est pas rien à voir hein. Bon bah on a eu plein de ressources, ça reste pas mal. Ah les mecs doivent être dead. Vas-y on va retourner à Niang et moi je vais stopper là. Ouais, moi faut que j'aille reprendre des rations. Par contre s'il si y a un des mecs... Ah y'a Tsao Yun devant nous qui avance. Ah non mais en fait les mecs étaient autour de nous hein. Je pense que c'est des mecs qui ont tous join un par un en fait. Ouais. Oui c'est ça, ils ont join. Oh regarde j'ai une petite charrette avec moi du coup. Mais what? Ah parce que t'as beaucoup de... Non mais c'est peut-être parce que je lui ai volé quelque chose. Mais toi t'as eu beaucoup plus de rations que moi, moi j'ai eu ah ouais j'ai eu 130 de rations. Cher. Yeah. Ah moi il y a écrit ration épuisée dans 7 minutes 30. Tant que vous êtes en zone sûre ou sur votre propre territoire, votre troupe ne consomme pas de rations. Ah. Qu'est-ce qu'il fait lui? Léon 1, niveau 15. Vas-y, 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 attaque, attaque. Pour chasser. Non. On aurait pu l'attaquer le noob là. La pourchasse a échoué. Ouais, la pourchasse. Le noob il est niveau 15. Oh mais on est niveau 12. Il y a un niveau 56 là. Ouais ouais, on va lui dire bonjour de loin. Pour chasse. Regarde le drift du chariot derrière. Regarde le. Oui j'avoue. What the fuck, what the fuck, il part en couille. Tu vas où là? T'as oui, une caisse. J'ai un chariot. Ouais, que Didier au 27 quoi. Il veut quoi lui là? Niveau 27, salut. Salut ouais. Salut, ça ira. Page de technique à l'épée courte et au bouclier. Ah trop bien. T'as ajouté un truc bien? Ouais, je peux utiliser une épée courte et un bouclier. Ça va. Ah, dans les montagnes et tout, ça a l'air stylé là-bas. Et là, tu te dis que le jeu, il est immense. J'avoue. Ça va, il y a beaucoup de gens en fait, hein, dans les salles. Ouais, ouais, il y a vraiment beaucoup de gens. C'est dingue. J'arrive, je rentre dans Anliang, moi. Ouais, moi aussi. Les compétences, c'est pété, surtout au début quand tu joues contre des bas level. Ouais, j'ai l'impression, ouais. C'est en temps réel, ça a l'air incroyable. Ouais, ouais, non, mais c'est ambitieux comme projet, Pocheka. Mais, ça m'a l'air très déséquilibré. Je pense que c'est un jeu qui va mettre un peu de temps avant d'être bien. On a Minchun le portier. Ah, des portes enfin. Minchun le portier qui s'enjaille. Des unités sont blessées. Faibles, recomposées. Blessé. 20 pièces de bronze. Oh oui. C'est tellement mieux d'être en mode FPS quoi. Ah oui, enfin, d'être... TPS du coup. T'es dans quel 5? Je suis le 7. J'arrive. Point 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 point.
Ouais. Il y a masse de joueurs. Hein. Il y a un mec qui faisait une pub pour la maison des semi-croustillants. Excellent. Excellent, excellent quoi. Excellent. Excellent. Pas bon. Ok. Ah, t'as une épée longue ? Ah oui, c'est ton. C'est mon Odachi. Je crois que c'était une épée. Épée droite. 46, 33, 29. Nul, nul, nul du coup. J'ai eu de la thune nulle. J'ai plus d'argent. Pourquoi j'ai plus d'argent ? J'ai payé quoi déjà ? Pourquoi j'ai plus d'argent ? Yes, répare. Mais du coup, tout ce que j'avais là en truc looté là, ça va, c'est allé où maintenant ? Bonne question ça. Non. C'est allé où ? Ah, chariot. Chariot. Et je peux le vendre du coup ça après ? Chariot. Ah oui, j'ai payé la récolte, ah oui, c'est vrai. Bois de pain. Je peux vendre là tout ce que j'ai amassé, tout ce qu'on a pillé là dans cette bataille avec quoi là ? Comment on fait ? On va voir l'intendant. L'intendant il est où ? Il est là-bas non ? Il est où ? Il est là, il est là l'intendant. Alain, réserve et inventaire. Ah, ah et je peux transférer tout ça du coup. Tu peux vendre ou crafter des équipements de soldats slash armes de siège. Ça sert surtout pour le craft tout ce que tu récoltes. Hmm. Bah, je vais tout transférer dans ma réserve alors. Pièce de cuir aussi. Ah j'ai une bourse d'argent en cuir. 101 pièces, 192. Ouais, c'est pas fou. Ok, bon. Bon, je pense que j'y rejouerai en off, ouais. Je vais un peu explorer en off. Mais ça me plaît bien, juste le... En fait, tout ce qu'il y a autour du combat, tout, genre le monde et tout, le côté MMO, c'est cool. J'ai juste peur du combat, du gameplay combat qui m'a l'air très brouillon et un peu spammy slash juste button mashing. J'espère que c'est plus technique qu'on le croit. Mais en tout cas, bon, on verra. Je pense que je vous referai peut-être un stream dessus quand j'aurai un peu plus compris comment le jeu fonctionne. Mais je vais switch. Bah merci Colin en tout cas de m'avoir accompagné. C'était cool, malgré les soucis au début. C'était une bonne découverte, je trouve. C'est un jeu clairement atypique, hein. Il n'y en a pas beaucoup des jeux dans ce style, à part Mountain Blade. Mais c'était grave cool. Du coup, bah, à toute Colin. Et bonne fin de live. Et bien, ça aussi. Au revoir. Et plein de bisous. Profitez bien. Ciao, ciao. Ok, du coup, on va transitionner, les copains. On va aller sur Total War. Hop, je quitte le jeu. Ouais, c'est intéressant, mais ouais, j'ai... Bah, au final, ouais, hein, mon feeling initial était le bon. C'est que potentiel, assez ambitieux, mais... Est-ce que ça va pas être un peu trop farm, et est-ce que ça va pas être un peu trop frustrant pour un joueur qui n'a pas sa vie à vendre sur le jeu, quoi. Donc bon, on va voir. On verra. Mais je le suivrai. Ma cam est fou. Ah, attendez. Des fois, ça fait ça. Ça a tendance à faire ça. Hop. La mise au point. Yes. Voilà. Là, c'est plus flou. Très bien. Du coup, je change. Hop. Let's go. On switch sur Total War. Du coup, je fais une pause dans la VOD YouTube. Au revoir YouTube, merci d'avoir suivi ce live sur Conqueror's Blade. Petite découverte d'après-midi, voilà. Sympathique. Maintenant, on va passer sur Total War Three Kingdoms. À toute YouTube. Dites au revoir YouTube dans le chat. Ce que j'ai lu, le personnage ici, c'est full farm pour être compétitif et faire de la capture de territoire. Ouais, je pense aussi qu'à ZX. Mais c'est ce qui se passe dans ce genre de jeu où tu peux capturer des villes et tout, hein, en général. Allez, ciao YouTube. À toutes.